Et bonjour à tous, bienvenue pour la 100% comestible numéro je ne sais plus trop. Wouh ! Moi c'est Chiffre, je suis sans noix aujourd'hui, mais je serai accompagné alors, de Shons donc, et de Nono. Comment ça va les mecs ? Ah, ça va très bien. Donc, du coup on va t'épauler pour 100% comestible, on verra le programme. Salut à tous. This is Sparta ! Donc les Spartiates. Donc deux joueurs spartiates de présent, voilà, Noah n'est pas là. Alors, je vous avais parlé hier vite fait sur Facebook de la présence de Petit Maki. Le problème, c'est que monsieur a un travail et qu'il avait une réunion qu'il avait oubliée. Du coup, chamboulement de programme, mais ta gueule en régie, bordel. Merci. Donc, ouais, c'est la galère. Du coup, Petit Maki n'est pas là, malheureusement, mais je vous promets qu'il viendra une prochaine fois pour des parties intenses. Là, il avait une réunion, en fait, qu'il avait complètement zappée. Du coup, bon, ça fout la merde, c'est chiant. Je sais, mais on a une première partie news incroyable dont je discuterai avec nos deux très chers Spartiates. Alors, la première... Alors, avant d'entamer tout ça, messieurs, vous serez présents samedi au Meltdown pour donc une soirée spéciale Sparta. Exactement. Voilà, donc une petite O-Gaming Night Live. Oh là 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 là. Voilà, une certaine classe quand même. Une certaine classe. Agent spécial Shones au milieu. Donc voilà. Alors, ça commencera normalement à 19h, il me semble, la soirée au Meltdown. Donc n'hésitez pas à suivre en stream ou sur place. Voilà, vous pouvez venir. C'est cool, c'est bonne ambiance, ce sera détente. Pour parler des news, donc, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Première news de la journée, on va parler de la NLB. Donc la deuxième division coréenne qui a vu en fait son dénouement aujourd'hui. Ça se jouait tout à l'heure. C'était la grande finale entre les Jin Air, Green Wings, Stealth et les SKT T1K, qui ont gagné 3-2 la grande finale de la NLB. Ils avaient commencé par mener 2-0, puis ils se sont fait rejoindre 2-2 par les Stealth, et finalement la dernière game en blind pick, avec notamment de Lee Sin, de Alistar, de Tristana, qui a été remportée par les K. Voilà, donc les K qui engrange le maximum de points possible dans cette NLB. Il faudra voir le résultat fait par les White, notamment en petite finale. On en parlera plus tard. Mais voilà, donc, première news du jour, la NLB remportée par les SKT T1K. Deuxième news, on va parler de l'affaire LMQ, la LMQ Gate, comme je l'appelle moi. Messieurs, est-ce que vous êtes au courant un peu de ce qui s'est passé entre ces deux équipes? Parce que c'est l'Amérique du Nord, ça te concerne, Sean. Alors, non, déjà, Nono a commenté avec moi les LCSNA, donc il pourrait être concerné, puisqu'on en a déjà parlé. Faux. D'ailleurs, c'était très sympa. Ouais, on a un petit peu entendu parler, notamment sur Reddit, sur Twitter. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes internes, en fait, dans LMQ. Donc, le coach qui se fait le remercier sans le savoir, qui l'apprend sur Twitter. Puis après, la coach, donc Sharon, également, qui se fait remercier, alors qu'elle faisait un travail apparemment parfait, qui était mis en avant par Riot, notamment. Et au final, ça a été pris par un autre organisme qui est, ouais, en Chine. Donc alors, là, je te laisse évidemment expliquer. Ouais, je vais vous expliquer un peu donc, les tenants et aboutissants. Donc, il faut savoir que... donc la société à la base qui, on va dire, était propriétaire de LMQ, la personne s'appelle Tian Si, donc c'est un homme d'affaires chinois, et la société c'est Liu Yu Esports, quelque chose comme ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, ils étaient propriétaires de LMQ, ils ont eu des problèmes financiers, de gestion, etc., etc., donc ils ont passé la gérance de l'équipe à une société qui s'appelle... ANK aux États-Unis, donc. Et en fait, il y a plusieurs protagonistes dans l'affaire. Donc, il y a ce fameux Tian Si. Il y a un gros statement qui a été fait par Riot à propos de l'affaire, justement. Donc, il y a Tian Si, donc, propriétaire originel de l'équipe. Sharon, la manageuse des players, en fait, celle qui s'occupait la de. La babysitter, un peu. Voilà, la babysitter. Il y avait alors. Le boyfriend de Sharon, qui est propriétaire en fait de l'entreprise ANK, qui a plus tard été rebaptisé Loli Sport, donc, qui gérait l'équipe
qui était propriétaire par intérim et qui était donc le petit ami de Sharon, le manager des players qui s'appelle Alex et le coach également. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est Sharon, la fameuse babysitter, a appris qu'elle était virée en fait de l'équipe. Elle a fait un gros pavé sur Facebook en expliquant qu'elle, voilà, elle s'occupait des joueurs et tout machin, et que c'était pas normal que Tianci n'avait pas payé pendant un long moment les joueurs, et que du coup elle avait dû payer sur ses fonds personnels, etc., 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 et que du coup Tianci n'avait aucune légitimité à reprendre l'équipe telle quelle. Et du coup il y a une réponse du manager des joueurs qui lui dit qu'en fait Alex qui dit lui qu'en fait il y a effectivement, il y a eu des problèmes d'argent à un moment. Sharon et lui sont beaucoup occupés des joueurs. Et puis, finalement, de l'argent a été versé de la part de Tianci, donc le propriétaire originel, qui demande maintenant que l'équipe lui soit rendue. Et donc, qui a réclamé auprès de Riot, notamment, que la chose se fasse. Voilà. Et du coup, alors, Sharon dit que Tianci n'a pas versé d'argent. Et Tianci et le manager disent qu'ils ont versé de l'argent. Du coup, au gros drama à ce niveau-là, on ne sait pas où est exactement la vérité. Surtout qu'il y a d'autres problèmes, à savoir que l'équipe, l'entreprise qui gère actuellement LMQ, qui est donc ANK, sponsorise d'autres équipes en LCS Europe, ce qui est interdit en fait par les règles de LoL eSport. Donc, c'est un autre drama supplémentaire qui vient se rajouter à la chose. Et alors, il y a une petite nouvelle qui est sortie, donc apparemment venant d'une conversation Skype, qui dit que Tianci serait propriétaire également des Royal Club en Chine et donc n'aurait pas le droit d'être propriétaire des LMQ. Oh là là. Voilà, non mais vous voyez le drama qui va extrêmement loin et les joueurs au milieu de ça sont un peu perdus en mode Sharon s'est bien occupé de nous, mais en même temps il y a ci, il y a ça qui s'est passé, on n'est pas sûr d'eux, nous on veut juste continuer à jouer. Et finalement on se retrouve dans une situation genre qui est totalement inextricable. Moi-même, j'ai lu tous les trucs, j'ai du mal à piger là où on en est actuellement. Riot essaie de démêler tout ça, ça va aller en justice apparemment. Et au milieu de tout ça, les gars, il y a les joueurs qui doivent jouer leur play-off. Et qui n'ont pas si mal joué que ça, hein, puisqu'on l'a commenté avec Nono et Zonobra et Malaki d'ailleurs. Et ils ont perdu, deux games, ils ont gagné deux, je crois, ou ils ont gagné trois games. Ils ont gagné trois games, ils ont perdu une malgré tout ça, alors que de ce qu'on avait lu, notamment et parmi les interviews, c'est qu'ils avaient perdu tous leurs scrims la semaine dernière et ils sont arrivés au play-off avec la tête, comme tu l'as expliqué, un peu complètement brouillée, et ils ont réussi à faire une performance. Malheureusement, ils ont fini deuxième parce que Cloud9 a fini premier parce qu'ils avaient battu. Ils arrivent quand même à s'assurer une place mais en demi des play-offs. Ils sont dans les top 2 LCS NA. Donc les joueurs ont le mental quand même, hein, parce qu'avec toutes ces embrouilles autour de leur équipe, parce qu'attends, il y a quand même des trucs incroyables où apparemment Sharon et son fameux boyfriend les attendaient à la gaming house quand les joueurs sont rentrés avec le coach. Ils ont été menacés par des gros hommes de main apparemment. Ah oui, non, il y a une histoire comme ça où apparemment ils ont été menacés par des hommes de main, machin, des mecs bien musclés et tout, qui leur ont mis la pression. Donc vraiment, ça va extrêmement loin cette histoire pour une équipe LCS. C'est la folie. Vous savez, messieurs, ce qui vous attend si vous ne faites pas de bons résultats. On va vous envoyer des mecs pour vous recadrer. Vous êtes dans la merde. Vivement les LCS, tiens. Je crois qu'on va pas y aller. Hein. On va rester dans les locaux. Rester dans les locaux, les mecs, tout va bien, nous on s'entend bien. Du coup, voilà, l'affaire LMQ, alors, on n'arrive toujours pas à tout démêler, mais le fait est que c'est vraiment, vraiment la merde. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Ça, c'est la fameuse conversation Skype, si tu peux la mettre en grand, où apparemment, donc, il y a l'équipe royale du club qui serait gérée par les mêmes personnes qui veulent gérer LMQ et qui donc voudraient faire un petit montage pour faire en sorte de contourner les règles LCS. Donc c'est... Enfin... Pour l'instant, c'est le brouillard le plus total dans cette affaire. On ne sait pas qui va récupérer l'équipe. Parce que finalement, les deux sociétés qui réclament les droits sur LMQ, si elles ont LMQ, apparemment, ça enfreint des règles des LCS. Donc voilà, messieurs, à partir de là, je ne sais plus quoi dire, c'est la merde. Non, déjà, moi, j'imagine, enfin, juste par rapport à ce message-là, je me demande, la personne qui a envoyé ça, il doit être tellement dans la merde. Bah, écoute... C'est genre, les mecs qui balancent, ouais. C'est parce que là, il n'y a que lui et la personne à qui il parle, là. Et donc forcément, c'est l'un des deux. Mais il est tellement... Enfin, je sais pas, t'as balancé un drama, quoi. Ouais,
c'est mondial. Non, mais c'est chaud, effectivement. Donc, l'équipe LMQ, voilà, bon, ils vont aller au play-off. J'espère qu'ils vont performer le mieux possible. Hein, mais clairement, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions du monde actuellement. Donc ça, c'était la grosse explication de la journée. Ok, vous me direz, vous êtes toujours un peu embrouillé. Vous en faites pas. Moi aussi, c'est toujours pas complètement clair dans ma tête, mais ça va se décanter apparemment. La troisième news de la journée, messieurs, elle concerne les Copenhagen Wolves qui vont jouer les relégations avec Airwalks et non plus Broken Shard. Broken Shard a été remercié. Airwalks est maintenant considéré comme le joueur le plus... alors voilà. Ça, c'est l'annonce officielle sur le Facebook des Copenhagen Wolves. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement de dernière minute, encore une fois, avant les playoffs? Bah là, comme ils disent, Airwalks, c'était la meilleure option pour les relégations. Donc, j'imagine que leur performance avec Broken Shard ne les a pas convaincus. C'est vrai qu'il a fait quelques calls qui étaient apparemment hasardeux et qui ont amené à cette décision-là. Vous voyez Airwalks à l'écran. Ouais. Airwalks n'est pas content. Mais sinon, ouais, je pense que c'est une bonne décision. C'est vrai que je ne connais pas, après Airwalks faisait un travail discutable, pas tout le temps bon. Il jouait bien, mais... Ouais, mais bref, moi je trouve que Broken Shard, alors que lui c'est juste du all-in quoi. Si ça passe, c'est génial. Si ça passe pas, bah il va pas pouvoir s'adapter. Et c'est la force d'Airwax, au contraire, il va s'adapter. Il a un meilleur travail de fond finalement sur les Exactement. Games. Le vrai défaut d'Airwax qu'on a pu pointer, c'était que c'est la personne qui mourait le plus entre guillemets de tous les temps au LCS, parce qu'il était au-dessus de Mixa en termes de ratio. Et plus bon, que Karalus. Ouais, oui. C'est Mixa gagné au ratio de nombre de games par rapport au nombre de morts. Et Airwalks était légèrement au-dessus. Donc, du coup, ça a été pointé du doigt. Mais en tout cas, par exemple, d'un point de vue pur jungler, donc au niveau challenger, Airwalks a toujours été très bon. Et c'est vrai que cette décision de prendre Broken Shard, qui pour moi est un petit peu en dessous. Il y a Broken Shard que vous voyez là à l'écran, avec une photo un peu troll. Ouais, mais qui date des Complexity. Hein, il était encore au LCSNA. Que Broken Shard pour moi était un peu en dessous, et comme tu as très bien dit Nono, c'est même nous quand on a joué à l'époque contre Broken Shard quand il était chez SK Prime là, en fait il farme pas et il est toujours all-in quoi, et donc s'il meurt une fois, bah, la game est perdue. D'accord. Est-ce que c'est vrai que Looney est un ami de Broken Shard? Oui, parce qu'il paraît qu'il y a eu des trash talk hier soir. Alors j'étais pas au courant de ça. Non. Apparemment Looney et Broken Shard se sont envoyés quelques amabilités sur Twitter. C'est du troll de Twitter, tu vois. Alors c'est pas, je pense pas qu'il y ait pas plus de fond, même s'ils ont joué une fois ensemble et on sait pas tout. Bon, Looney et Broken Shard se portent pas dans le cœur, mais à dire que ils se détestent pas non plus au point de, tu vois, s'haïr et D'accord. tout, mais sans D'accord. plus quoi. Alors troisième news de la journée, messieurs. Qui vous concerne quand même. Looney. La news de la mort. Ok, il m'a tué là-dessus. Looney, toujours dans le style le plus fin, celui qu'on lui connaît. Hein. C'est un homme de la demi-mesure. Alors messieurs, quatrième news de la journée qui vous concerne directement, ouais. Un changement chez les Ninjas in Pyjamas. Ku a officiellement quitté l'équipe, ça a été annoncé sur leur site et il a balancé au passage quelques tweets meurtriers, encore une fois Twitter qui est l'endroit de tous les assassinats. Donc si t'as la news, voilà, LOL player Ku leaves Ninjas in Pyjamas. Et il a tenu à préciser le pourquoi du comment sur Twitter en se fendant de trois petits tweets. Si tu peux me les passer, Ranwinator, en disant notamment qu'il y avait énormément de flame dans l'équipe, qu'il avait beaucoup de calls au top, où ça whinait beaucoup, ça demandait tout le temps des gants quand on passait derrière. Voilà, du whine, des plaintes. Il parle pas mal de la top lane dans le dernier tweet, ouais. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que vous en pensez tout ça, étant donné que ça vous concerne, Nono, ton avis sur la question Ninjas in Pyjamas, du coup, prenable à la Gamescom? Je pense qu'ils étaient accessibles, même avec coup. Hein. C'est vrai qu'ils n'avaient pas montré des belles performances. Après, on sait très bien que l'ambiance d'une équipe, c'est tellement important. Une équipe a besoin de bien s'entendre pour justement arriver à la victoire tous ensemble, parce que c'est quand même un pic, c'est quand même un jeu sur le team play. Donc, coup, moi, ça ne m'aurait pas trop impressionné.
Vu leur prestation avec lui, mais Loulex, je suis pas sûr non plus qu'il puisse. Alors il est remplacé par Loulex. Loulex est remplacé, c'est un jungler français. Loulex, il a été chez les LCS, il a été chez Gambit pendant une semaine. Ouais. Une semaine en Angleterre et une semaine après. Voilà, donc deux semaines en tout. Donc bon, il a été quand même rapidement remercié. C'est un joueur qu'on connaît beaucoup en solo queue, on connaît ses champions. Donc on verra si ça synergie avec. Les bans sont Lee Sin. Exactement, surtout son Lee Sin. Après, on verra si la synergie sera meilleure qu'à l'époque de Gambit, hein, parce que c'est vrai qu'avec Gambit, bah, ils l'ont vite remercié, donc ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'avec Nip, au contraire, ça va être la star montante ? On va bien voir, mais pour le moment, on est relativement serein. Ton avis sur Loulex, toi, Shons, étant donné que tu es jungler, donc tu vas avoir à le rencontrer à la Gamescom. Bah, Loulex, c'est vrai que je joue souvent avec lui, on est dans le même elo, etc. Et c'est quelqu'un qui joue bien, en fait, il joue tous les rôles, un peu. Mais bon, il est mieux en jungler. Et c'est vrai que son Lee Sin est impressionnant. Bah, vraiment, il rate très peu de games avec Lee Sin. Mais le reste, ça reste à niveau even. J'ai vu que sur OLCS, quand il jouait, tout le monde bannait son Lee Sin et il partait sur Evelynn. Donc, à voir en fait, comment il a joué avec Evelynn. Donc, je pense qu'on va regarder un petit peu. Sinon, moi, je suis content toujours d'affronter un jungler français en solo queue. Enfin, s'il a une attitude correcte à partir du moment où tu le flames pas. Donc voilà, de le voir en vrai, ça va être toujours sympa. Et je rejoins Nono sur le fait qu'avec nos performances et ce qu'on a pu montrer, on est confiant. Et un peu moins aujourd'hui, mais. Je me suis perdu une game tout à l'heure. Alors, on a perdu une game et la dernière, j'ai ruiné parce que j'ai fait un move de merde, mais bon, ça arrive. En tout cas, ouais, bah, pour ce qui est de l'annonce de coup, en fait, là, on n'a pas trop lu l'annonce, mais quand même, NIP met un peu la faute sur coup. Alors que Kou après se plaint qu'il y a du flame dans l'équipe. Et je pense que ça peut venir de Freeze, le carry AD notamment, qui est connu un petit peu pour pas lâcher ses mots. Et il faut savoir que Pandorka, donc la femme de Alexis, a lâché un tweet dans lequel elle dit « Ouais, en fait, c'est Kou le flamer. Ah » Et ça a créé un gros drama sur Twitter où les gens lui disent « Mais attends, mais de quoi tu te mêles et tout, t'as rien à voir avec l'équipe. » Alors donc du coup, ça part très loin aussi cette histoire. Que de drama cette semaine, dis donc. Tant mieux, ça fait parler LOL. Complètement. Alors après cette petite news sur Ninjas in Pyjamas, donc la petite finale des OGN demain midi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Samsung Galaxy White qui avait été battu par les Blue contre SKT T1S qui avait été battu par les KT Rollster Arrows. Donc à midi demain. Alors moi, si j'avais un pronostic à donner, je parierais sur les Samsung White, très clairement. Je pense qu'ils sont au-dessus des S. Après, les S m'ont impressionné dans leur capacité à réagir et à évoluer un peu en tant qu'équipe. Je trouve qu'ils ont fait vraiment une bonne demi contre les KT Rollster Arrows. Donc, on pourrait avoir des surprises peut-être demain, mais je vois quand même une victoire des Samsung White 3-1 de façon générale. Et les Blue qui sont partis en grande finale. Ça se jouera le 17, il me semble, août, pour réclamer leur titre de champion. Face au KT Rollster Arrows, ça va être la folie. Et la dernière news de la journée, les quarts de finale des playoffs ont été annoncés. Elles se joueront dès ce jeudi et ce vendredi avec un petit Super Crew Rocket et un petit SK Gaming contre Millennium. Vous avez des petits pronos, messieurs ? Alors, rappelle-moi la première game, Super Crew Rocket. Super Outcrew, ouais, je mets avantage à Super Outcrew, hein. Ils montrent vraiment du très bon travail pour le moment. Donc ouais, je les mets gagnants. Et après, par contre, pour SK Millennium, là, c'est très très compliqué. Ça, franchement, j'ai du mal à dire parce que les deux équipes, finalement, ça va être vachement serré. Les deux équipes ont énormément de potentiel. Mais je mettrai quand même un avantage à SK Gaming. Ouais. SK Gaming. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je mettrais un 3-1 pour... Attends, prends le micro, Sean. C'est BO3 ? Je crois que c'est BO... Ouais, c'est parce BO3. Que j'avais entendu tout est en BO5, mais à partir des demi-finales, je crois. Tu crois que c'est BO3, ouais. Ok, bah moi je dirais 2-0 Spot Crew et 3-2 SK, quoi. Un peu. Moi j'aime bien Spot Crew aussi, donc ça joue un peu. Et après, derrière SK Millennium, je rejoins la vie de Nono, ça va être très serré. Tu peux pas savoir. Avec ce qui se passe en scrim, il peut y avoir plein d'aléas, mais ça va être serré. Ok. Bah écoutez, c'était tout pour la partie news, donc beaucoup de choses à dire cette semaine, du coup. Alors messieurs, maintenant, alors ça fait 200% comestibles d'affilée qu'on essaie d'accéder au PBE. Et c'est un peu notre serpent de mer avec Noah, donc pour une fois, Noah n'est pas là. Est-ce qu'on va avoir le coup de chance ? En général, quand Noah n'est pas là, les games sont belles, notamment,
Alors quand il est là, les games sont pourris. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir accéder au PB aujourd'hui? On va voir. Et donc, est-ce que vous avez décidé qui jouerait Gnar entre vous deux? Parce qu'on va tester Gnar donc, en live sur le PBE. On voulait faire un pierre-feuille-ciseau. On va respecter. Parce sur que le plateau. Nono et moi, on a envie de laisser l'autre, comme on est, tu vois, on est adorable. Hein. Alors, mais du coup fait bah, on fait un pierre-feuille-ciseau en BO3. Sur le plateau. Donc, caméra sur eux. Allez-y, en BO3, le premier à deux. Très bien, c'est parti, messieurs, dames. Non, pierre-feuille-ciseau. Ah, attends, c'est moi qui fais le décompte. Attendez, il a vu ma feuille. Donc. Ah, allez. Pierre-feuille-ciseau. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Alors, pierre, feuille, ciseau. Aïe, 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 un zéro pour Shones. Pierre, feuille, ciseau. Un partout. Pierre, feuille, ciseau. Ah, là, c'est Nono qui va jouer le Gnar. C'est Nono qui va jouer le Gnar. Et bien, écoute, Nono, viens t'installer au bureau. Shones, tu vas me donner ton avis du coup sur la bestiole. Alors, Rambouillateur, est-ce que tu peux mettre mon écran, s'il te plaît, pour qu'on montre le nouveau launcher au passage? Attends, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va faire ce qu'il y a à faire. Donc, ouais, t'as vu, il est stylé l'écran. Mais attendez, je vais mettre un compte. Donc, quel compte vais-je prendre? J'en ai plein à disposition. Allez, c'est parti. On va prendre le compte de Zéphimir qui nous l'a gracieusement prêté. L'icône de LOL en bas. Ah, je trouve moche. Alors, si vous avez quelque chose à dire, les messieurs, n'oubliez pas de prendre le micro. Non, j'ai dit, ils ont même changé l'icône de LOL en bas, tu vois. Ouais. Je la trouve moche. Non. Tu trouves moche, celle-là? Je sais pas. Toi, tu la trouves bien? Écoute, peu m'importe, en fait. Très bien, merci, ton avis. Peu m'importe en soi, tant que je sais que c'est League of Legends. Donc, est-ce que tu peux mettre le... Ah oui, ça, c'est donc l'écran de chargement que vous voyez là. Et sur mon bureau à moi, Rambouillateur, j'ai le launcher, voilà, que vous voyez là. Donc merci beaucoup à Zéphimir pour le prêt de son compte PBE. Et alors, est-ce que tu as entendu un peu parler de Gnar, Nono? Si tu veux, tu peux mettre un casque. Bah tiens, viens te mettre là. Viens te mettre là, mets-moi un casque. Bon alors, tu n'auras pas tous tes contrôles et tout machin, enfin tout ton stuff. Mais bon, c'est le PBE, j'espère quand même que tu vas performer de façon acceptable. J'espère aussi, mais sans mon stuff, ça va être compliqué. Je suis vraiment pas bon sans stuff. Mais je me fais confiance. Un carriadé en général est toujours mauvais sans stuff. Donc qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle interface? C'est beaucoup plus épuré. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, carrément. En plus, ça fait vachement moderne. C'est bizarre, mais je vais faire une comparaison à Dota. Et je trouve que voilà. Ouais, ça ressemble un peu au launcher de Dota. Alors du coup, attends, est-ce qu'on a bien Gnar dans les champions? Ça, par contre, c'est toujours aussi dégueulasse. Et du coup, il y a un contraste entre les champions et les trucs qu'ils ont laissé comme avant. Il est où, Gnar? Tu veux que je tape? Attends, vas-y. Attends, là. Vas-y, là. Gnar. Et il est... Unlocked. Alors, à quoi il ressemble? C'est un petit truc tout mignon au début. Ouh, et après, il peut se transformer en grand méchant. Donc, est-ce que tu connais un peu ces. Oh mon dieu, ma mère. Ah oui, c'est Vacha. Elle veut jouer Gnar, absolument, chat. Chat, tu veux jouer Gnar? J'ai une interrogation. Après. Nono, c'est. Là, tu vas aller jouer en game normal. Ouais. Il va falloir choper Gnar très vite, en fait. Ah ouais. Ça, c'est légèrement embêtant. Ok, j'ai essayé de le rush. Du coup, je me demandais, j'imagine qu'il y a des gens. Mais attends, on peut faire. Ouais. Il n'y a pas le, comment ça s'appelle, les normal team building? Non, ça n'existe pas. Ah, non, ça n'existe pas. Ah ouais, non, ça a peur d'exister sur PBE. J'imagine qu'il y a des gens qui ont accès au PBE, qui nous regardent. Mieux jouer avec ça, ouais. Tu demandes à des gens de venir et tu t'assures Gnar. Ouais, du coup, est-ce que ça vous dirait, donc, si vous avez accès au PBE, de rejoindre une game qu'on lance et pour qu'ainsi... On soit sûr que... C'était le bon moment de mettre la caméra, merci. Détente. Pour qu'ainsi, on soit sûr que Nono puisse jouer son fameux Gnar. Écoutez, je vais créer une game. Alors, attends. Attends, on va dire au gaming game. Au gaming game. Et en fait, on va la laisser... le mot de passe, on va dire que c'est 1, 2, 3. En blind pick. En blind pick. Ouais, en blind pick. Let's go. On va la créer donc sur le PBE. Oui, la game donc c'est au gaming game. Mot de passe 1, 2, 3. Donc si vous avez un compte PBE, rejoignez-la. Bon, je pense qu'il y aura bien quelques personnes qui vont pouvoir y accéder. Et on lancera donc. Et tu vas nous montrer tout ce que tu envoies un peu avec Gnar.
Très cher Nounou. Alors, si c'est personne ça. Ne Alors... se présente dans la game, c'est que c'est trop compliqué, on lancera en normal. Mais du coup, t'as, est-ce je que tu as lu un peu rapidement. Ces spells? J'ai l'autorisation spells, discrètement de lire ces spells. Tu as l'autorisation. Alors, Moram l'a appelé. Moi, j'ai regardé une, j'ai une vidéo. Très difficile. Est-ce que ça te fait peur, sachant qu'un carré, ça ne sait que auto-attaque? Exactement, j'ai la pression, je ne te le cache pas. Alors, notre vidéo available. Donc, il a un boomerang. Très qui bien. Slow et qui. Fait des dégâts. Ouais, ça me va. Et en fait, il a une forme de méga gnar. Hein. Ouais. Ça, avec son passif. Alors, ça, pareil, je ne sais pas exactement comment. Il faut on stack la fureur, si je ne m'abuse. Il doit y avoir. Il y a un système de fureur. Ouais. Alors, na attack and spell. Hip him up. Hype him up. Je ne sais pas ce que ça veut dire. And guaranteeing him. Ok, bon, en gros, ok. C'est un petit passif qui est toujours sympa pour avoir un petit déplacement, ouais. Un boost de, au niveau de la MS. On veut Gnir Leap, donc c'est un petit jump. Et en plus, tu peux sauter sur une unité, la tête d'une unité, pour aller un peu plus loin. Donc, ok, c'est rigolo, c'est un peu un saut de mouton. Et en fait. C'est, alors, sachant qu'il y a toujours des trucs supplémentaires en méga Gnar. Ah ouais, bon. Ça change beaucoup en méga Gnar. Ah oui, non mais. Et je te le conseille je sens, de. Je sens que Nono va vous faire une grande. Joue-le sans, sans Smartcast. Pour un conseil. Ouais, ouais. Je vais le jouer donc avec Smartcast. Toujours écouter les calls. Sans Smartcast et son ulti. Bon. C'est un gros mec. Ouais. Il est pas content, il vire tout le monde autour de lui. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des gens qui ont rejoint la game? Oui. Allez, ouh. Les gars, plus que 3 mots de passe. 1, 2, 3. Game name au gaming game. Tout simple. Et son A, il faut faire attention, est particulier parce que quand tu le lances. Il faut que tu sois en il y aura un petit, petit pointillé et le boomerang va revenir. Et si tu le rates, son CD est monstrueux. D'accord, donc il peut te repasser derrière. Ouais, bah en fait, c'est comme un boomerang de Sivir, sauf qu'il a une trajectoire prédéfinie. Si tu le repasses dessus, c'est genre 6 secondes, tu vois, donc tu peux bien la race. Mais si tu le rates une fois, c'est genre 15 est-ce secondes. Qu'il, est-ce qu'il disparaît si tu le rates ou est-ce qu'il continue plus loin ou... il va devant toi et après il repart, il va derrière toi très loin et d'accord. Tu le revois plus jamais. Ah ok, intéressant. Et du coup, la game est pleine. Donc ouais. N'oubliez pas de laisser à Nono, bien entendu, son petit gnar. T'inquiète oui. Pas, Margot, tu pourras le jouer. Mais après l'émission. Et on est parti. Vas-y, Nono, tu peux lancer. C'est parti. Et je prends... Gnar. Qui a une photo assez dark, vous remarquerez. Puisque pour l'instant, on ne le voit pas. Alors, j'ai pas regardé les runes. Ce que vous voulez après. Je n'ai pas regardé les runes, ah oui, donc à mon avis, c'est du YOLO. Ouais, bah écoute, prends un truc. Hein. Je vais prendre l'attaque speed. Je crois que c'est. Il faut l'attaque speed. Écoute, on va prendre l'attaque speed. Alors, qu'est-ce que tu ferais sur comme masteriste sur un champion que tu ne connais pas comme ça? Alors, moi, je mettrais en full dégâts. Parce que. Donc ça, Festin qui rend des HP, qui rend du mana, même s'il n'a pas de mana, c'est toujours bien. Pas besoin de ça, parce que double Edge Sword avec un range, c'est pas intéressant, même si je me demande si avec son ulti ça marche. Donc du coup, je vais le prendre. Peut-être que pour son ulti ça marche, au niveau des dégâts bonus. Et ouais. Et des HP, parce que les HP c'est cool. Les HP c'est bien, ok. Et un petit épée évidemment, puisque je suis top lane. Ah, tu vas pas essayer de jouer le kill, donc tu vas jouer la méta avec le TP. Je pense. Très alors, bien. Oui, alors effectivement, tu n'es pas sur ton stuff, Nono. J'espère que tu vas quand même pouvoir nous proposer une grosse partie. Sean, tu vas me dire un peu ce que tu penses du champion quand on va le voir évoluer. Et tu prends le skin Dino Gnar. Ouais, stylé. Je veux le tenter, je veux voir ce qu'il donne. Un mode dinosaure. Et les runes maîtrises, t'as fait attention? Petit pied. J'ai fait très très attention au niveau des runes et des maîtrises. Je t'en regarde, c'est optimisé. T'as regardé ce qu'a fait Faker dessus? Ouais, je pense que c'est 21-9-0 pour les masterises. Et du coup, est-ce qu'on va voir un match-up miroir en top lane Gnar contre Gnar? Je sais pas, excellente question. Je n'espère pas. Mais ouais, j'ai vu un mec, j'ai regardé pas mal de vidéos sur Gnar, quand même, pour comprendre le champion. Et en top lane, c'est vraiment fort. Je pense. Ouais. C'est un peu, en fait, c'est une queen en V3, quoi. Genre, il arrase de loin et dès qu'il veut finir, enfin, en fait, il fait pas exprès. Tu sais, Gnar, il se change sans faire exprès. Ah en bon fait, tu, t'as pas, non, je sais pas si t'as lu. Tu contrôles pas du tout. Non, tu contrôles si, pas. Tu peux contrôler. J'ai vu des vidéos. Non. Genre, en fait, il a vu des vidéos. Genre, j'ai vu le champion. J'ai voulu savoir à quoi il ressemble. En fait, t'as une barre qui va jusqu'à 100 et après, dès que ta barre elle est à 100. Ah, la cale n'était pas bien calée sur toi. Bon. Ouais, et en fait, dès que la barre elle est à 100. Comme Rumble un peu. Comme Rumble. Non. Comme Shyvana, comme Trindamena.
Dès que la barre elle est à 100, la prochaine fois que tu utilises un sort, tu transformes en méga gnar. D'accord, la prochaine fois que j'utilise un sort. Donc en fait, ça c'est juste son petit défaut, je trouve, c'est que tu n'as pas le contrôle sur le. Genre, si tu as envie de rester en forme range, et que tu as envie de rester en forme range, il faut pas que tu utilises le sort. D'accord. Et ta rage redescend ? Non. Ah ouais ? Et en fait, si tu veux jouer en range toute la game, il faut pas que tu utilises le sort. Et tu verras, il y a un petit truc marrant sur gnar quand ta barre de fureur elle monte. D'accord. Je vais me poiler rien qu'en jouant. Je sais pas si tu vas genre être mort de rire. Mais tu vois, genre peut-être tu as rigolé un peu. Ah, peut-être cool. Vu que t'as un bon public aussi. Ouais. Ok. Il y a le nouveau skin de vie aussi. Ouais. Je crois que j'ai un petit ping. Mais tranquille. Ah 145. Bah ouais, PBE. Hein. Et pourtant t'as la fibre. Ah ouais, donc ouais. C'est pas là pour tout le monde, ça va. Je suis rassuré. Normalement, ouais. Donc moi je joue contre une Nidalee. Avec un Aatrox, pardon. Un Aatrox, hein. Nidalee mid. Ok, Aatrox top contre gnar. C'est un match-up que je ne connais pas, que je vais découvrir. Bah ça, on s'en doute bien. Es-tu confiant sur tes capacités à envoyer du boomerang avec gnar? Parce que du coup, t'envoies pas du bois ou t'envoies pas la sauce, t'envoies du boomerang. Alors déjà, je suis même pas confiant au niveau des touches sur le clavier, mais... Refais tes contrôles parce qu'on sait jamais, hein. Ouais. Dès que j'arrive en game, faut pas que j'oublie. Parce que normalement, ce PC-là, c'est celui sur lequel je noie. Hein ? Dire, son rire, c'est le plus horrible qui existe sur Terre. Mais genre, il tue tout le monde. Donc en gros, tu me conseilles de le spam. Reste appuyé dessus. Genre, tu vas faire craquer, mais je pense, plusieurs games, tu vois. Tu vas faire craquer d'autres games. Mec, c'est un truc de ouf. Alright, buddy. D'accord, bon écoute, on va voir ce que ça a donné. Sinon, à côté de ça, t'as une équipe qui tient la route. Hein. Ouais, un bro, Malucian, c'est une lane très forte en bot lane. Un Kha'Zix jungle, ben, on voit que Diamond proc le sort pas mal. Zed, par contre, j'ai peur qu'on ait beaucoup de dégâts à AD. Et donc. Gnar, c'est physique ou magique? C'est physique, je crois. Physique. Donc, on a beaucoup de dégâts à AD, les gars. Faudra que quelqu'un se sacrifie et parte full AP. Bah, le Lucian AP, ça se joue. Hein. Allez, disco faux. Par contre, niveau stuff, c'est compliqué en fait, parce que à la fois t'as envie de jouer alors, comme Queen avec par exemple BOTRK, mais c'est pas comme Queen parce qu'après t'as un tank. D'accord. Tu vois ? D'accord. C'est très chelou. Comment tu le bullerais ? Je sais pas, à part Trinité, je vois pas en fait. Mais Trinité, okay. C'est l'item passe-partout, tu vois, qui coûte cher et qui aide partout, mais. Bon, allez, YOLO. Allez, YOLO, bon, allez. Oh, il est trop mignon. T'as fait le rire ? Je sais pas si on entend nous. Est-ce que non. Tu peux mettre le rire sur le plateau ? Ouais. Rominator. Vas-y. Attention. On n'entend pas assez. Attends, je me mets un gros plan. Oh mon dieu. Ok. Ah, le truc partis. Qui fait craquer. Donc alors. Tu marches dessus. Voyons voir les spells. Alors, on va courir top lane. Ça fait pas mal de dégâts. Donc ton A c'est le boomerang, ton alors, Z c'est comme trois attaques. Ah t'as un stun non, sur, trois ton, attaques. Sur ton Z. Non c'est pas un stun. Ah quand t'es en forme ah, méga gnar. Ouais, okay. Et le E c'est ton jump. Ok donc je vais commencer par le boomerang. Et tu verras, lance le boomerang pour test. Et en fait là si tu le rates, et là regarde t'as le CD. Ouh là là. Ah ouais. 20 secondes de CD. Et okay. Si tu le récupères c'est 60% de moi. Ok. Donc, c'est vraiment important. Ok. Il va pas arrêter de le spammer. D'ailleurs, on va regarder ce qu'il fait. Hein. Ok. Ouais, la danse sympa. J'espère qu'on n'aura jamais à la faire avec moi dans 100% comestible. De se mettre sur la tête. On est trop mignon. Ah, ça y est, Nono est conquis. Hein. Il me fait un peu penser à un Gremlins. Ok, allez, c'est parti. Alors, match-up contre la tuerie. Passe de lane. On la split, on essaie de poke l'adversaire parce qu'on est des méchants. Et ton boomerang, il traverse tout. Ok, j'ai raté. Ah ouais, du coup, faut que je cours dessus. Attrape-le. C'est bon. Donc là, t'as ta barre de fureur qui charge. Tu vas bientôt devenir méga gnar. Ah, j'ai un peu du mal, hein. Oh, allez, solide. Ah. Bon, la tuerie, tu joues, tu lane contre Nono. Ancienne AD Carry LCS, s'il te plaît. Oh, il va le récupérer. Ah, ça va, t'as reste pas mal, hein. Je lui fais des dégâts, mais il prend pas beaucoup, hein. Attends, qu'est-ce qu'il faut prendre? Le Z, je crois. Le leap. Ouais, je crois qu'il faut prendre le Z, mais je suis pas sûr. Okay.
Eh, tu vas bientôt passer Gnar. Hein. Ah merde! Oh la vache! Ah ok! Ok! Ah le stun qui passe! Ah t'es en train de lui. Je lui défonce! Ça a pas l'air mauvais comme champion, hein! Je sais pas. Ah, je crois que je me fais gang, non? Stun, allez, boomerang! Oh oui, tu fais proc le passif, popo peut-être! Ah, les petites auto-attaques, tu peux le faire ou pas? Tu peux le faire! Flash in, offer blood en faveur de Nono! Solidité du Gnar! Et ton Kha'Zix vient te cover en plus au cas où il y aura un gank. Et il joue avec des dés pour back. Donc on va partir sur quoi comme stuff? Bah. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais partir sur des dégâts comme un gros ouf. Ouais. Non, à mon avis, si tu fais brillant, genre tu dois trop gagner ton matchup. Trop carrément? Parce que bah en fait, ah, ton A gagner, il revient tout le temps. Prêt pour auto derrière, ouais, c'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce que ça fait en méga Gnar? Ça change quoi sur tes spells? Ah oui, alors, voir. Voyons voir. Donc là, ça crée une, ça lance une boule. Ouais. Ah, c'est un slow, c'est en plus. Top. Quand t'es touché par un Xera. Ok. C'est un slow, hein, ok. Et d'accord. Ça fait tous les ennemis en AOE, donc j'imagine. Ok. Donc ça, c'est un stun. Comme on l'a vu, ouais, tout à l'heure. En plus, pendant 1,5 secondes, c'est énorme. En AOE en plus. Et ça fait des dégâts en plus. Désolé, je reviens sur la ça, c'est un jump de Kha'Zix, le E. En fait, normalement, ton combo, c'est E. Quand t'es en forme Gnar. Oh, tu l'as loupé. Oh, tu l'as loupé les 15 secondes de cooldown. C'est abyssal comme cooldown. Superbe jump de Nono. Il saute au-dessus des cris. J'ai raté. Je crois. Oh non. Attendez, je rate tous mes last hits. Un last hit de qualité. C'est un scandale. Ouais, attends, ah ouais, du coup, ouais, c'est pas le même. Ah, y a pas le même bouton chez moi. Bon alors, voyons voir. Le slow, le jump. Oh, oh, échange de position. Le spectacle, ah ouais, les auto-attaques. Attends, il sustain un peu et le boomerang au corps à corps. Non. Et tu le laisses passer parce que c'est un peu overrated de rattraper le boomerang, je crois, sur ce champion. Tu vois, et là, ça change auto en fait. Le prochain sort que tu lances. Et là, tu vas devenir gros. T'as vu comment il change, Gnar? Ah ouais, c'est marrant. Ok, donc, tu vois, alors jump, c'est une forme de. Ah ouais. T'es un peu plus lourd quand même. Hein. Ah, mais d'accord, même ça, je peux le récupérer, mes cailloux quand je les lance. Ouais, et ça réduit alors, le CD. On va voir ça. Je cours ouais, dessus. Ça balance une maison. Regarde le CD. Ah, tu le récupères. Ah ouais. Très bien. Et lui, quand il back, il fait quoi? Ah, dommage. Sympa. Donc tu peux récupérer ton caillou, mais il revient pas tout de suite. Bah, c'est un caillou. Hein. Ceci dit, si ton caillou revenait, je me dirais que la physique de League of Legends est vraiment spéciale. Donc moi, je vais partir sur un sabre vistier parce que ça fait des, ça apporte un peu de CC. Ça va pouvoir mettre mon slow directement. Et ton ulti, il fait quoi? Et mon ulti, il fait quoi? C'est une très bonne question. Increase. Donc ça augmente le move speed quand il est en mode mini Gnar. Et quand il est en mode Gnar, ça fait Knuckle. Ouais. Ah ok. Oh, c'est un gros CC. Hein. C'est en fait, c'est à mon avis, le A d'Aatrox. Et regarde, s'il touche les murs, ils sont stun. Ah, ils prennent encore plus de dégâts. Énorme. Donc, c'est une mécanique à la Populous, la Vayne. Tu pousses tout le monde jusqu'à slow. Et ouais, quand. Ouais, oh, mécanique. Ton jump qui rebondit. Ah ouais, oh, le boomerang. Oh là 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 là, il est pas bien, il est pas bien le Aatrox, il est pas bien. Les potes qui sont utilisés. Oh, il a anticipé la trajectoire, non, tu vas mourir. Le boomerang sur le retour. Excellent, excellent. Le boomerang sur le retour. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé, enfin le dessin animé, les petits trucs animés avec Kalilou, un truc comme ça. C'est la petite grenouille qui se transforme en grosse grenouille. Oh, le TP, le TP. Vous connaissez pas? Je vais vous trouver un exemple plus tard. Le petit TP de la part de Nono. Les petits auto-attaques. Jump. Ah non. Je crois que j'ai raté mon jump. Du coup, je vais last hit ce héros. Ah, tu l'as vraiment last hit? Tu l'as vraiment last hit, Nono? Je l'ai dit, je l'ai fait. Bon gank. Merci les copains. Je repasserai sur cette bot lane si on peut avoir le même résultat. Tu vas tenter un gank au mid ou pas? Tu vas bientôt devenir méga Gnar. Hein. Alors attends, est-ce que je peux proc les stacks? Non. Ok. Tu vas vraiment devenir bientôt méga Gnar. Attends, on réclame quelque chose. C'est parti, jump. Ah ouais, c'est énorme le jump sur les creeps. Que okay, tu puisses rebondir derrière. Ça te permet vraiment d'agresser de très loin. Hein. Allez, ulti, knock up.
Non. Ah ouais, non, là par contre. Oh, oh lui, oh. On le défend. Fais ton ulti. Oh. Ulti. What? Oh oui, mais non, Nono qui brasse le vent. Super, derrière tu jumps dans la mêlée, un petit stun de zone, Nono. C'est compliqué, non. Mais toi ta barre de rage, elle te permet pas de revivre comme la troc, c'est le doublé. De la part de Je vois que j'ai fait un très bel ulti qui a touché environ 0 personne. Effectivement, mais attends, la range ulti elle est hyper courte. En fait, tu dois jump, tu dois slow avec ta rock, et après tu les rattrapes et tu les repousses contre le mur. D'accord. Tu es un pro du Rengar, mon cher Shounz. Du Gnar, pardon. J'aime pas quel champion il joue. Quel dommage que tu aies perdu sur Shifumi. T'as un très bon Maokai d'ailleurs. C'est pas dit. Et là, du coup, bah, ça crée le mouvement au niveau de... Oh. Bah ouais, hein, ça ouvre des possibilités, hein, le fait que vous soyez tous morts au mid. Ça, c'est très bien. C'est du coup, on se dirige vers un jeu très agressif. Là, le pseudo de ton Kha'Zix, c'est I Want Gnar. C'est original. On sent un pseudo qui a été préparé pour l'arrivée de Gnar, vraiment. Ah. Ah, d'accord. Ok, quand je me déplace, je peux aussi influer sur le retour du boomerang. On va voir ça. Tu t'influes dessus, vraiment? Ah ouais, ouais, j'influe dessus. Bon, là, je l'ai raté, mais... Alors, il y a une technique pour l'astite, c'est en fait, par exemple, si un mec il s'enfuit, tu jettes le boomerang loin, après tu t'écartes et tu essaies de rattraper avec le boomerang dans l'astite. Ah ouais, d'accord, pour qu'il le suive de très loin, quoi. Parce que genre, si tu veux l'astite un mec à l'autre bout de la map, tu peux le lancer. Mais pourquoi? Mais attends, mais il va pas à l'autre bout de la map. Mais genre, regarde, si Nono, tu lances en haut à gauche ton boomerang bien visé. Ah. Bon, hein. Et après, tu peux essayer de toucher la bot lane avec. Vraiment? Bah, on peut essayer. Ça va jusqu'au bout de la map? En fait, je connais pas le rang. Vas-y, bon, on va voir. On peut essayer, ça coûte rien d'essayer. C'était pour le style. C'est parti. Alors, vas-y. On va suivre le boomerang. Ah merde. Ah non, 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 ok. Ouais, faut pas exagérer. J'ai pas vu. T'imagines le truc, le global. Ouais, mais super dur à utiliser. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Bah, il va se transformer, il va être vénère. Dive. Jump. Vas-y. Oh, oh oui, stun. Tu as touché, tu as touché. Allez. Attends, je fais pas de dégâts là, on dirait. Allez. Ramasse la boule, ramasse la boule. On dirait que je me fais défoncer. Reste tranquille. Slow. Oh, c'est chaud, il se retourne. Non, t'as pas de stun. T'as le stun, t'as le stun. Non, il a plus rien, t'as plus rien. C'est pas grave. Bounce back. Oh, non. Le décal de Selena Gomez qui a fait la différence. Tu t'es vraiment fait. C'est un peu le seul défaut de Gnar, c'est que tu peux pas contrôler ça. Donc il faut que tu ralentes, que tu apprennes à le jouer en fonction des changements. D'accord. C'est ce que je trouve. Pour charger qu'il est... ta barre de rage. C'est ça qu'il est difficile. Et d'ailleurs, tu stack combien par... Alors, rage, motivate, attack, Ouais. On sait pas, vraiment. Mais si, ces trucs, ça te coûte de la... Ça me coûte rien. Ça génère combien, en fait? No cost, on sait pas. Il franchise, non. Ça génère combien? Regarde ton passif. Ton passif. Il est écrit, pendant 15 secondes, il devient gros gnar. Combien de rage tu génères en fait par spell? En fait, à chaque fois t'attaques. À chaque fois t'attaques ou tu utilises des spells, etc. Tu charges la fiole, elle ne charge pas. Il va faire une auto-attaque, ça va charger. Des gros CS. Et après, pendant 15 secondes, ça va. Ah. Tu l'avais jamais testé toi, Shanz, du coup? Non, mais j'avais pas si mal. Tu vois, on a des comptes PBE, hein. Du coup. Why not? Tu veux essayer? Gnar dans la jungle, viable ou pas? Non, je pense pas. Non. Ils l'ont vraiment seulement fait pour la top lane, hein, dans leur description. Ça se voit. Hein. C'est un champion qui est fait pour Arras et pour All-In. Mais bon, niveau build, vraiment... Tu gagnes quoi comme stat exactement avec ton passif? Fais voir. Ah, tu gagnes pas mal quand même, hein, en fait. Ouais, ça devient intéressant. Ah, tu deviens vraiment un gros gros tank. Équipe, c'est la fête. Ouais, mais t'as ton TP qui revient bientôt, Nono. Ah, ça y est. Ah, tu transformes automatiquement, en fait. Dégâts de zone là, pas mal. Tu fais du ménage au moins. Hein. Alors la question c'est ils étaient là tous mid. Ils arrivent sur toi. Oh, il est très mignon. Ouais, surtout là, ouais. Ah merde, oula. Alors là, c'est la panique. Transformation Power Rangers, Nono, tu te fais dive. T'as Moomerang. Oh, il va te chase. Ah, c'est compliqué. Ah, il a le passif. J'ai raté mon Moomerang sur. Attends, il va l'abandonner. Ah non, dommage, allez. Il y a le Kha'Zix. Allez, Kha'Zix. Ah nice. Oui, c'est bien. Bien ça joué, passe. L'ami. Dommage que j'ai raté mon boomerang sur Nidalee. Je pense que tu mérites vraiment de gagner cette game là, Nono. Tu fais des utilisations de passifs particulièrement impressionnantes, je trouve. Ah, merci. Mais ceci dit, t'es à 4-4-1. Et au niveau des CS, c'est pas au top non plus. Ouais, mais 5 des 8 kills de ta team, hein, finalement, tu pèses.
Alors, t'as un TP. Alors. La question, c'est où vas-tu l'utiliser ? C'est ça. Il y a du monde au top. Pour le moment, j'ai rien à récupérer. Oh, l'agression. Oh, ah, la frostbite, ça touche pas. Ça TP. Je ping le danger. Danger. Hartung. Ouais, il a plus de passif, hein, le Aatrox. Ça se fight. Hein. TP. Nono. J'ai envie de TP, mais le problème, c'est que ça va pas être aussi efficace. Ouais, non, bah là, c'est bon, t'es J'arrive. Là, tu t'en fous. J'arrive, mes potes. Allez, oh là, oui, ça sent le doublé. Ça sent le doublé pour Nono. Nono. Je le jump dessus. Allez, oh, parfait. Là. Saute mouton. Y'a Nidale au chat GG qui arrive derrière. Doublé de Nono. Solide. Vas-y, go. Oh, est-ce qu'elle est au courant? On va faire style. Je ne regarde pas ce qui se passe. Ah mince, une Nidalee incroyable, on ne t'avait pas vu, les auto-attaques de Nono, oh là là. Triple kill. Ce n'est pas fini, j'annonce le quadra tout de suite. Nono annonce le quadra. Nono, t'es bientôt en forme de Gnar, le slow. Leap, tu vas passer en gros. Blam, allez. Non oh, allez, mets tout, Blam, stun, mets ton ulti. Ah oui, c'est vrai que j'ai un ulti. Paf, slow, allez, auto. Tu peux mourir de Brome, t'as le passif de Brome. Oh oui, le jump, parfait. Super, tu l'as totalement immobilisé. Franchement, c'est fort en contrôle. Hein. Par contre, il a des petites ranges en forme de Gnar. Hein. J'ai transpiré quand même. Hein. On sent que ses bras sont gros, mais... Laisse-moi en paix. Je vais jump. Yahoo. Ok, je vais. D'ailleurs, vous faites beaucoup de bruits bizarres sur votre stream, les mecs. Et vous faites du karaoké aussi, je l'ai découvert. C'est faux. Laissez-moi back, s'il vous plaît, laissez-moi back. Merci, les copains. C'est Spontes qui adore chanter. Oui, absolument. mais vous avez accès au TeamSpeak quand on stream ? Écoute, il paraît. Putain, c'est stylé, je vais regarder. Là, c'est sympa. CS, ça m'énerve qu'il push le mid. Mais cela dit, c'est le moment de faire la différence. Sans TP. Tu vois la ward en haut. C'est ce que je voulais faire, mon cher Amy Shones, mais j'ai décidé d'avorter la mission et plutôt faire des jumps sur les creeps comme ceci. Youhou ! Pour aller un peu plus loin. Non, n'empêche, c'est sympa comme mécanique. Hein. Ouais, il a pas passé ses spikes. Et la Nida, il y a le Graves. On va juste push le mid. Hein. Tu peux lead ton équipe hein, si tu le désires. Je suis sûr qu'ils seront ravis de t'écouter, Nono. Allez, hop. Ça, c'est notre bitch, ça. On y va. Ouais. Bon, t'es pas encore en forme de méga Gnar. Tu prends la cage, là. C'est pas grave. C'est fait exprès. Je prends le pieu pour l'attirer. Le pieu, t'appelles ça le pieu, la Nida? Pourquoi pas, si oui, elle peut lancer un pieu, hein, c'est pas le bon mot. Je pense que. Non, mais c'est pas choquant. Bon, je me casse, les gars. Ah, non, mais tu vas passer en forme de Gagnard. Ah, ouais, il faut que j'utilise, je pense. Ah, maintenant que t'es pas content, passe ta fureur sur quelqu'un d'autre. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est Nono sous forme de Gnard. Ah oui. Ça a fait la différence. Donc, du coup, comme ça m'a énervé, je vais y aller. Flash ulti. Allez. Ok, je ne savais pas que ça faisait ça. N'empêche, le bum qui bump. Alors attends, en fait, je pense que tu peux faire flash. Non, tu peux faire un E au-dessus d'un mur, flash et tu ramènes tout le monde derrière comme une insect avec Gnar. Ça va être sympa. Tu devrais essayer. Il a pensé à toutes les techniques possibles et. Ah mais mec, ça va être grave stylé. Une insect avec Gnar, Nono, en live. Ouais. Toi qui aimes bien faire avec Tristana. Tu as raison, je vais le faire. Mais du coup, selon vous, ça pourrait être quoi son rôle dans une équipe? Aucune idée. Jouable dans quelle configuration, en tant que tank engage, en tant que poker, dodge. Enfin, team fight, disengage, aucune idée, Sean. J'y vais, c'est le TP. C'est pas le TP. Via l'ulti, je crois. Oh oui, solide, Nono. Solide, là, tu te fais un peu contrôler, il me semble. Vous avez vu, j'ai essayé de faire le double bump. J'ai voulu cancel mon TP, j'ai raté. Non, c'est ça en fait, parce qu'en range, tu dois attaquer de loin, donc tu vois, genre, comme un carriadé. Mais là, vraiment, t'es un tank après dans la fight. Donc tu vois. Mais tu dures pas hyper longtemps non plus. En plus, tank. Tu dures moins qu'une Shyvana sous ulti, non? Ouais, largement. Parce que Shyvana, quand elle attaque, elle garde de la fight. Ouais. Du coup. Nono qui motive ses coéquipiers, mais vous en êtes pas loin. Là, vous avez le contrôle de la partie, c'est bien. Mais attends, mais quand c'est que j'ai plus le son du jeu, by the way? Ah oui. Robinator, où est le son du jeu? Parce que nous, on veut spammer du slash rire. Ah, on est reparti, allez. Merci. Fais-nous un petit rire. C'est vrai que je pense que t'as des difficultés depuis la fin de l'early game parce que tu peux plus spammer ton rire. C'est ça. Et là, l'année qui commence à être bien, 7-1. Moi, j'ai 7. J'ai aussi 7 kills, mais j'ai 6 morts, donc. Mais tu es un tank, c'est normal, Nono. Ah, ok. Tu es au cœur de la mêlée. D'ailleurs, je vais changer mon stuff, je vais finir cette trinité. Ah, tu joues en mode Jax là? Ouais, je me suis dit que c'était bien. Ah oui, il y a pas mal d'auto-attaques en fait.
Ça va, hein. Ah, Nono qui montre déjà une maîtrise du champion hors norme. Au niveau du clic droit, je suis excellent. Regardez-moi ça. Hop. Et hop. Ce item attaque. Parfaitement contrôlé. Ah non, je vais me transformer. Et en fait, tu changes automatiquement sans utiliser de sort. Ouais. Ah bon, j'avais cru. Alors, attendez, tu changes automatiquement au bout d'un moment, ouais. Je suis concentré sur la game. Ah ouais, il est vraiment en mode pas content. Vite, vite, avant qu'il... Oh, il y a un c'est mec qui me prendra un. C'est vraiment comme champion, je me demande comment il va être utilisé. Ok, j'ai raté mon... Ah, mais les dégâts que je lui mets. Avec ton Z, toutes les 3 d'attaque, tu fais une dégâts. Ah. Oh, ouais, là par contre ça va être compliqué, jump. Non. Ils m'ont eu. T'as vaguement buckshoté au corps à corps. J'ai dodge la vie, mais moult mes engins. Ça ne servait à rien. Non, si, ouais, Yumu, ça peut être pas mal en fait. Yumu, ouais, mais en. Parce qu'avec en forme de gros gnar, tu peux courir plus vite du coup. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu faire une Yumu. En attention, forme de gros gnar, et le dodge magnifique. Ouais. Donc, voyons voir cette vie. Bah, regarde des items recommandés en fait, j'en ai pas pensé. J'ai regardé Trinité. Ah, ouais, t'as regardé vrai. Ouais, Trinité, Yumu, Beto Arca. Donc, okay, vraiment, ouais, il le conseille en full AD. Pas, c'est on Penta. Nono qui annonce l'école. Hein. Wait me on Penta. Ça veut dire en anglais, les gars. Attendez-moi. On Penta. On Penta. Attends, mais là je parle que... de Penthouse ou de. Je crois que mon Lucien n'a plus de mana. Non, plus donc énormément. Je vais être obligé de back. Alors attends, lui par contre, je vais pas aller le chercher, le coquin. Chut, chut, chut. Non, il dit push, il petit, part en bot. Tu fais petit, tu te ouais, mais attention. T'as une super grenouillère en fait dans ce skin là. Chut. Imaginez Riot qui décide de commercialiser la grenouillère de Dino Gnar. Je te l'offrirai, Sean, si tu veux. Et c'est fort aimable. Alors, il est où le Graves? Il est là. Chut. Mais par contre, t'as pas beaucoup chargé ta rage. Hein. Elle est en train de charger là. Attends, elle rage. Enfin, elle charge en même temps que tu. Non, non, ok. Il est où? Super. Là, il est là, il est là, j'arrive, il est là. Bro, j'arrive, bro. Attention, il y a le Z au milieu. Paf, paf, les bons dégâts. Allez, allez. Oh, t'es pas encore méga gnar. C'est compliqué. Tu vas mourir sans même passer en forme de grosse colère. Nono et ton équipe doit derrière faire le travail. Est-ce que ça va suffire d'ailleurs? Le Z, il peut pas rentrer à mêler. Triplé d'Anida. Elle va se trouver un petit penta ou quoi? Ah non, la vie qui prend le quadra. Et le Z qui TP hors de vue des adversaires. Bon. Petit problème de gestion au niveau de la montée de rage pour arriver en teamfight. C'est, hein. C'est en teamfight vraiment qu'il faut avoir sa rage en fait. Ouais, il faut justement c'est pas désengage. À gérer le timing. Hein. On va essayer de gérer cet ulti. C'est bien parce que ce qu'a fait Riot, c'est qu'ils ont sorti un champion super accessible du point de vue design. Attends, si je veux voir l'histoire du jeu. Il est vraiment cool, mais par contre, je pense que pour le maîtriser, tu vois, il faut vraiment, vraiment. Allez, on le défonce. Ah non, comprendre le champion. Je crois qu'il fallait pas faire ouh, ça. Ouh, le flash out du mini Gnar. Un boomerang. Ouais, tu vas. Ah non, tu vas pas récupérer. Il est là, le long cooldown. C'est pas grave, j'avais mon ulti bientôt. Ouais, ouais, mais pas encore tout de suite. Ouah, le kill qui est récupéré. Il y a le A3 en mêlée. Allez, mettez-lui tout. Paf, il va tomber également. Ouais, je me transforme au moment où. Quel dommage. Nono, c'est un peu la cavalerie avec Gnar. Il arrive toujours après. Enfin, sur le méga Gnar en tout cas. Hein. Ouais. Du coup, il se venge. Sur les golems. Un petit style cyclopéen quand même sur le lancer de rocher. Tout en force. Hein. Ouais, alors par contre, le jump, je crois que tu commences à peu près à maîtriser la chose. En tout cas, sur les vagues de sbire vagues de sans, kill, okay. Sans opposant en face et tout. Là, ça va, tu gères pas trop mal. Ok. 95 creep à 22 minutes de jeu. Un vrai farm de carry à DLCS. Très très fier d'avoir nous dans cette équipe de Spartan. J'avoue. Est-ce qu'il vous propose aussi souvent un farm aussi solide? Oui. Il est régulier à ce niveau-là. Il est top lane, donc là, il y a vraiment rien à dire. Et bah écoutez, je vais split push pendant que Nidalee est en train de découper mon équipe. Oh, mais je me suis encore transformé, donc ouais, c'est pas le moment d'aller avec mes alliés. Du coup, il va temporiser Nono.
Est-ce qu'ils vont-ils tomber dans le panneau? Je me demande si c'est pas un champion speed push. Ah. Dans le sens où il y a personne qui peut t'inverner normalement. Mes alliés. Parce qu'en fait, tu auto-attaques, tu kites, et après, dès que t'es en forme méga gnard, bah tu le tues normalement. Ouais. Possiblement, j'avoue. C'est un peu comme une Nidalee, mais en version gnard quoi. Là, par contre, ils sont en train de push mid. Hein. Où es-tu, mini gnard? Oh, ça va enflammer. Regardez la Nida, les dégâts de la Nida, c'est parti. Tu dois charger ton passif. Allez, charge Nono. Charge-le, bon sang. T'es pas loin. Tu vas garder ton jump et tout. Oh là là, les jumps. C'est beau. Tu continues. Tu vas passer en forme de méga gnard. C'est parti, t'es vénère, Nono. T'es vénère, là tu veux les bouffer. Oh, tu vas maintenant. J'ai l'ulti. Blam. Allez, paf, doublé de la part de gnard. Tu jump in. Slow-le. Je ne peux pas. Je peux. Allez. Je connais pas leur range. Oh, le Black Shield. Allez. Allez, ça part vraiment vite l'ulti. Hein. Là, il est déjà fini. Je voulais sauter au-dessus. J'ai raté. Il est déjà fini l'ulti. Quoi. J'ai raté le boomerang aussi. Bah écoute, on va se diriger tranquillement. Attends, un ulti de 15 secondes. Il n'y a pas beaucoup, un ulti de 15 secondes. Je l'admets. Vite. Ouh. Oui, c'est passif. C'est ta raison, c'est pas l'ulti. C'est vrai. Ouais, donc là le red buff. Bon, alors tu vas partir tanky ou pas, Nono? Parce qu'on sent quand même que dans la mêlée tu te fais un peu saucissonner quoi. Ouais, mais tu vas passer en le truc pas du tout discret dans les buissons. Le Megazord qui pop. Discrétion over 9000. On sent le mec qui fait pas du tout de bruit hein. Imagine si t'avais les bruits de pas comme dans CS, quand tu vois un gnard qui saute comme ça. Allez, paf. Là. Oh, c'est dommage que t'aies pas pu utiliser ton ulti, là, t'aurais pu stun contre le mur. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Ouais. Oh, c'est un scandale. Je crois que j'ai une Morgana qui est cache de Morgana. Pas de dégâts le boomerang quand il revient, c'est moi ou Si, je crois qu'il en fait. Elle me cherche, elle. Ah, ok, je peux pour ça. Oh là. Tu te mets en position pour jump. Oh là, il a loupé ça. Ça smoke. Le Graves, tu te retournes, t'as bientôt. Oula. Ouais mais non en fait, genre on sent que les mecs en face ils sont équipés, genre t'as beau être méchant, ils ont du stuff. Donc tu as raison, je pense qu'il est temps de partir un peu sur du un peu de tanking, voyons voir ce qu'il y a en face. Ouais. Faut peut-être des bots aussi. Ça pourrait être sympa effectivement, parce que c'est vrai que t'es un peu lent quand même. Ouh. Après t'as un jump, donc ça compense. Aspire ce qui met midlife, donc faudra vraiment focus. Je vais top, tu pars au speed push, mais là l'équipe en face est en train de vous dominer. Hein. D'ailleurs, la fin de l'émission, enfin la dernière game de l'émission, pour ceux qui se demandent, ce sera en fait une draft entre Nono et Sean, c'est-à-dire que ils seront tous les deux capitaines d'équipe, ils auront 10 points d'armée chacun, et ils joueront en sélectionnant 4 viewers dans leur équipe, on fera un post sur Facebook, et en fait ils devront sélectionner et dépenser leurs points en fonction des niveaux des joueurs qu'ils veulent. Donc il y a Challenger, Diamant, les différentes catégories, c'est Challenger, Diamant 1, j'arrive. Diamant 5 à 2, Platine, Gold, Argent, Bronze. Et donc ils devront dépenser des points en fonction d'eux. Et ça va être stratégique. Shones m'a déjà dit un peu ce qu'il voulait faire. Joli stun au passage de la part du petit Gnard. N'empêche, il prend des kills, hein, le champion. Ah, tu repasses en forme de Gnard normal. Le shade, attention à la cage, petit flash out du côté de la Morgana, la cage qui va toucher seulement Nono. Tu voulais le kill, tu ne l'auras pas Nono. Oh, les chiens spirituels, elles vont pas proc. Flash in, jump, slow. Oh oui Nono. Non. Il manque une auto. C'est un scandale. Ah, le boomerang qui passera pas, dommage. Ah, tu fais la diff là. Easy. Ouais, et ça, dans les phases d'escarmouche comme ça, finalement, ça revient vite le boomerang. Hein. Enfin, le boomerang. Le passif, en fait. Il va faire le tour. Un point de fureur avant l'ulti. Après, tu peux tout enchaîner. What? Et j'ai ramassé mon boomerang en sautant. C'est pas fini! T'as ramassé ton boomerang en sautant et tu t'es transformé. Oh, le stun contre le mur! Oh, on sent les mécaniques qui commencent à parler du côté de Nono! Allez! Le caillou! Non, le caillou! Je peux pas, ça passe pas à travers! Ah ouais, c'est vrai, le stun! Attends, allez, Nono, passer en petit gnard! Mange tes épinards, Nono! Oula. Mange tes épinards! Vite!
Jump, Nono, le passif qui proc. Voilà, il faut vite fuir, hein, le slow. Le slow, est-ce que Nono va pouvoir s'en tirer? Maman. Ok, c'est bon. Tu vas pouvoir t'en tirer, solide. Ah ouais, non, même ça te pouvoir chaîne, le... Pardon. Allez, corps à corps. Ah, dommage. Dommage. T'as essayé de lui faire à l'envers là avec ton jump. C'est ça. Bon, ben alors, du coup, moi je sais pas quoi dire. Hein, ce champion est-il pété? Est-il équilibré? Grosse interrogation pour moi. Après, si on arrive à maîtriser cette barre au niveau de la fureur, savoir quand mettre son ulti, ça peut être très efficace. Donc en fait, faut jamais l'avoir stack à fond. Mais le problème, c'est qu'elle diminue jamais. Ouh. Ouais, c'est ça le truc, elle diminue jamais. Oh, du le coup, dodge, au niveau de la gestion, c'est pas facile en quoi. En fait, c'est bizarre, mais avant une team fight, en fait, il faut que. C'est un peu comme un Rengar où tu dois avoir tes 5 stacks avant de lancer ta grosse bola. Oui. Là, tu dois gérer, avoir un peu moins avant qu'une teamfight commence. Quoi. Mais Rengar, c'est plus lisible parce que t'as 5 stacks. Voilà, et ça s'arrête surtout. Ouais. Lui, ça s'arrête pas. S'il veut farmer. Bah, lui, quand il est vraiment énervé, tu le contrôles pas, hein, tout simplement. Oh, joli le jump avec le boomerang dans les airs. Le chase de la part de Nono. Encore un kill ou quoi? Oh, solide, vous avez vu? Mais comment il a maîtrisé le potentiel de dégâts de l'auto-attaque. Et ce n'est pas fini. Avec le red buff, hein. Ouais, le slow qui a pas passé, stun. Oh, tu lui fais la diff. Oh, tu lui fais mal. Oh, tu lui fais mal. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Allez, les deux. On enchaîne, le petit. Boum. Allez, le stun, la boule. Allez. Non. Il t'a déchargé le fusil au corps à corps, hein, dans la face. 15, 11, 8. En tout cas, des kills, tu en as. Mec, il est partout. Mort aussi. Il est partout. Il est dans les kills de son équipe et dans les mains. Les gars, avec Gnar, on peut faire une insec, il faut utiliser le jump. Mini, au moment où tu te transformes, en fait, tu vas slow le mec et après tu peux ulti pour une insec. Alright. Mais c'est un peu ce que t'as fait jusqu'avant, tu t'es transformé pendant ton jump. Ouais. En fait, ça, tu peux te transformer quand tu utilises un sort. Donc, si tu utilises ton E, t'es encore en mini Gnar, mais tu transformes. En fait, ça, c'est grave stylé. Et tu penses vraiment que ça peut pas être joué dans la jungle, Shuns? J'ai vu un mec essayer, parce qu'il y a toujours des fous qui essayent, oui. Tu vois. Et le premier clear il est infâme, mais tu peux pas savoir à quel point. Parce que t'as juste une auto-attaque et un boomerang, et je crois qu'il fait pas de dégâts quand il revient le boomerang, je viens de tilter. C'est juste quand il revient, il faut le rattraper pour avoir un CD. Essaye sur les golems. Moi j'ai vu des vidéos où il y avait des mecs qui se faisaient kill par le retour du boomerang quand il passait derrière le Gnar. C'est faux. C'est faux ça? D'accord, ok. I know who did it. D'accord. Regarde, essaye de lancer sur un creep, Nono, juste le boomerang. Tu vois? Oh merde, je l'ai raté d'ailleurs. Pas de dégâts sur le retour. Et c'est un fake la vidéo, et je sais. D'accord. Bah écoute, ok. Cible repérée, surtout que je vais être un gros méchant qui pue. Là, saute. Ah, t'aurais dû sauter avant, tu sais. Allez, on le get. Oh, les bons dégâts là. Boum! Boum! Oh, ces animations d'auto-attaque, c'est que utilise ton ulti. Utilise ton ulti avant de te transformer. Ok. Oh, nice, fais mal là quand même. Ah! Rendu un. Maman! Ah bon. Vous gagnez là? Allez, Troupa bitch. Alors, en fait, le boomerang fait des dégâts une seule fois, soit à l'aller, soit au retour. Les gens disent sur le chat. D'accord, ok. J'aurais dû aller avec mes alliés et pas vouloir mettre absolument mon ultimate. Merci. Tu commences à être tanky là, tu vas faire là, quoi t'as maintenant? T'as ton flash, je pense que je vais faire une petite banshee. Banshee, ouais. Sauf si j'ai fini la game, évidemment. Tu vas pas essayer de flank? Tu flash, tu E et tu ramènes tout le monde. Ça serait énorme. Mec. Mais plus, tu me demandes des mécaniques que je n'ai pas, je crois, au niveau de Gnar. Mec, avec Tristana en enquête, tu fais des insects. Oui, et parce que je te avec Gnar. Tristana, j'ai un peu plus de partie. Tu TP derrière là, y'a pas une ward? Ah fuck. Non, mais défendez-moi cette tour! Battez-vous! Ouais, assez compliqué. Deux secondes, une seconde, t'as des home guard, t'as pas pris de home guard. Non, ils l'emporteront pas au paradis, cela dit. Bah, j'espère bien. Hein. Oh, en fait, Mega Gnar, c'est un peu Hulk. Hein. Oh, l'erreur finalement. Elle rester toute seule comme ça, alors qu'il y a un Gnar derrière elle. Juste 650 d'AP. Il lui manque juste un tout petit bump. Ah, il a peur, hein. Il a clairement peur de moi. Et tu cours vite, hein. Ceci dit, mais bon, c'est une Nidalee. Normalement, avec ça. On va faire un Ashor.
Mais en fait, l'ulti de Gnar, il te donne, quand tu es en forme de mini Gnar, il te donne masse bonus speed. Oui. Mais en plus de ta bonus speed. Tu vois. Donc j'ai le sac là. Ou genre, si tu fais danseur fantôme, tu vas courir super vite. Déjà, avec Trinité, c'est pas mal. Hein. Déjà, avec Trinité, c'est bien. Oh. Ou un bleu. Victoire. Et en plus, du coup, je vais me transformer. Ah ouais. Mais est-ce que j'ai une ouverture à faire? Bah, je crois pas. Hein. Utilise ton jump là maintenant et essaye de double jump. Ah. Avant de transformer, je pense que tu utilises ton jump sur un creep. Tu peux faire ton gros gnar aller plus loin. Ça me fait penser à un de mes potes quand il faisait des bombes dans la piscine un peu. Le saut du gros gnar. S'il lui ressemble à ça, je le plains quand même. Non, il ressemble pas à ça. Il ressemble pas à ça. Mais c'est juste dans la gestuelle, tu vois. C'est pas mieux. Oh. Ah ouais, là par contre, oh. Mais le problème c'est que t'as plus du tout de barre chargée quoi. Oh, le jump, oh oui! Et là du coup tu peux te retourner ouais. Hein, bien tranquillement la Morgana. C'est un support, ça ne pèse pas dans le game. Non! Ah, t'as slow, t'as slow, t'as slow. Le jump, allez! Jump! Non! Ah, le brochet, ça touche pas, ouais, là par contre. Je crois qu'ils sont en train de finir la game, mes alliés. À moins que j'arrive à TP, à faire un TP qui fait la différence. Ah, backage, Morgana, backage. Oh, la déception de Nono qui est enfermé avec la Morgana dans la base. Ah, je peux passer à travers des murs, ça c'est ouais. Pas mal. Ouais, il est pas mal le quand même. Mes alliés... Oh, mais mes alliés s'en sortent en fait. Ah bah voilà, speed push hein. Ouais, mais je pense que c'est ça le champion, c'est Nidalee. Personne peut te 1v1 et... Oup. J'ai l'impression que ouais, en 1v1, c'est un champion qui est compliqué à apprendre quand même. Hein. Puisque mais avec son passif, il attaque encore plus vite. Son ouais. Z là, et du coup pour le speed push, tu le laisses un peu tout seul. Mayday, 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 Mayday. Ton jump. Attends, est-ce que je peux faire super boomerang. Tu le sens. Oh non. Quoi? T'es pas passé pourquoi au bon moment. Pourquoi ça va pas transformé? Bah, je crois qu'il te manquait un tout petit peu. Un peu de points, ouais. T'es rouge, t'es rouge, mais pas assez. C'est un scandale. T'es rouge, mais pas assez. Prends plus le soleil, Nono, s'il te plaît. That's what she said. La déception n'empêche. Ceci dit, t'as 17 kills. Hein. Ouais. Y'a pas à dire à ce niveau-là, tu sais faire. Arrive à KS. Non, mais là. Une game convaincante, alors en carry AD, un potentiel Nono champion. Ouais, en carry AD, je sais pas. Tu vois, le moment où tu veux vraiment. T'as pas beaucoup d'HP, tu mets des coups de loin, et là, tu transformes en plein milieu de la fight. Et tu te fais one shot. Et du coup, forcément, c'est pas une situation que t'as envie de vivre en tant que carrière. Et je comprends. Mais attends, il faut que je comprenne. Combien de stacks on prend par coup? Ben, ça, c'est ma grande interrogation, en fait. Ok. On sait pas. Ah, mais d'accord, il gagne du range et tout. Ah oui, c'est énorme. Et du coup, il m'a cancel mon TP, l'autre. Ah, ils avaient bien défendu hein, notre... Ah ouais, ils ont pas été loin de finir finalement les et là les je rouges. Pense que ça va être la fin des haricots avec un Lucian qui est mort. Moi qui ne suis pas en place pour speed push. Ah oui. On va devoir la jouer en boomerang. Sans nous qui speed push, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut pick up un kill avant? Est-ce que t'aurais pu faire partie de l'équipe nationale de frisbee française? On va voir. Ils font Nashor. Faut que tu touches avec les boomerangs. Nashor, en fait, je vais passer level. Attends, mais pourquoi ça stack plus alors que ça montait tout à l'heure? Ouais, parce que tu t'attaquais. Là, t'es pas très loin de finir. Touche avec ton boomerang. Oula, c'est compliqué. Oula, c'est compliqué. 99. Vas-y, maintenant. Là, tu vas transformer. Golé, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Non. Solide, Nono. Oui, le stun. Totalement dans les pâquerettes. Allez, paf. Rendu un BTRK. Allez, il faut tout mettre maintenant. Oh, la Nida qui gagne, tient le tu coup. Gagnes, hein. Tu gagnes. Non, je gagne pas là. Elle va se heal, c'est compliqué, les auto-attaques sont laborieuses. Non, la déception. Solo. Oh là là, je vois rien. So close. Mais du coup, c'est la lose et la game en faveur de l'équipe adverse. Bien joué quand même. Bon. Petite démonstration de Gnar, écoute, ça a pas l'air facile à jouer, hein. Je ne te blâmerai pas pour ta performance, t'as pris beaucoup de kills quand même, Nono.
Ouais. Et ouais, surtout que ça a vraiment pas l'air facile en fait. Hein. Bah clairement pas. Hein. Gérer cette barre vraiment d'énergie, elle est vraiment compliquée. Mais après, ça fait de bons dégâts, ça a un bon potentiel d'engage, je pense aussi. Hein. On connaît tous que maintenant les héros, ils aiment tous flank, donc arriver sur le côté, surprendre l'équipe. Et là, avec son ulti, à mon avis, ça peut faire vraiment un carnage. Donc j'ai hâte de voir un Gnar qui meilleur que moi. Ce qui devrait arriver très bientôt. Effectivement, potentiellement, ça pourrait venir. Ok, ok. Bon, du coup, on va se laisser pour une petite page de publicité. On va revenir juste ensuite pour la suite du programme. N'oubliez pas qu'il y aura une draft game à la fin, donc à la fin de l'émission, où Sean et Nono seront capitaines et vous sélectionneront. On fera un petit post Facebook où vous devrez mettre vos pseudos, niveaux et rôles principaux, histoire qu'ils puissent choisir. Voilà, on vous donnera le barème et tout juste après. On se quitte pour une page de pub et on revient. À tout de suite. Et on est de retour. Alors, ouais. Pour cette partie, en fait, on va... vous connaissez les Spartas en 5v5, mais voilà... J'ai décidé de leur imposer un défi. Ils vont devoir jouer en 3v3. Donc, on va partir avec Nono et Shons. Alors, la question que je t'ai posée, c'est est-ce que... Alors, accepte mon invitation à l'équipe Légénieur. Légénieur. Oui, Légénieur. Donc, mélange de seigneur et de génie pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, est-ce que tu as déjà joué en 3v3, Shons? Non. Jamais. Je vois à quoi ça ressemble, mais non. D'accord, c'est d'accord. C'est pas un mode de jeu, okay. Voilà. Ça va être marrant. Du coup, on attend Nono. Et pour la dernière partie, alors, ça va être intéressant. Donc, ce sera l'équipe, la dernière partie de la soirée, ce sera l'équipe de Nono contre l'équipe de Shones. Et donc, chacun des deux aura 10 points, en fait, d'armée à dépenser. Donc, dans chacune des différentes catégories. Alors, bronze, ça vaut 0 points. Ah, c'est 0 maintenant ? Ça vaut 0 points. Voilà, donc tu peux avoir autant de bronze que tu veux. Dans une équipe. Okay. On vous a mis free les joueurs bronze, mais ne le prenez pas comme une insulte, c'est pour équilibrer tout ça, vous n'en faites pas, on a fait des calculs théoriques et tout. Un point pour les silver. Tu sais que les mecs ils valent 0 points, on a fait des calculs. Un point pour les silver, 5 points pour les or, il me semble, 7 points pour les... non, c'est 3 points pour les or, 5 points pour les platines, 7 points... 6 points, oh la vache, je me perds. Bref, je vous dirai ce que ça vaut après. Mais du coup, il faudra vous inscrire. Alors sur le Facebook, je ferai un post juste après cette game. Pour ceux qui seront présents, vous pourrez vous inscrire et vous aurez la chance d'être sélectionné ou pas par Nono et par Sean, qui devront donc faire leur fameux draft comme ça. Et je commenterai la game en direct. À part ça, il n'y a pas spécialement d'handicap à avoir ou autre. C'est une bataille d'ego entre vous deux. Alors, est-ce que Nono m'a ajouté en ami? Très bien, il m'a ajouté. Donc, sympa. Nono, je l'invite. Et on va faire une petite 3v3. Donc, tu connais pas du tout la map, Sean. Si, j'ai déjà vu la map. Mais genre, là, est-ce qu'il faut faire la jungle? Est-ce qu'il faut farm? Est-ce qu'il faut push? Quel champion? Bah, t'as une regarde jungle. Même ce que j'allais taper sur Google. How to play 3v3 ranked in LoL. Entrée. Attends, je vais dire à Nono d'accepter. Accepte l'invite gros. Et après, on va pouvoir. Mode draft. Inviter votre équipe classée. Donc, j'ai que des équipes super intéressantes. Nono et Sean, vous êtes invités. C'est forêt, même. Dans la game. La forêt torturée. La forêt torturée. Rien que le nom, déjà, il ne m'inspire pas. The Twisted Tree Line. Et je redemande à Nono d'inviter. Fais voir l'IRC pour ceux qui auraient des questions éventuellement, si vous en avez quelques-unes. N'oubliez pas que demain midi, donc petite finale de l'OGN à 12h, pétante entre les Samsung White et les SKT T1S. Gros match entre les deux déçus des demi-finales. Un pronostic, Sean? SKT T1S? Ah ouais, tu mettrais les S, pour, toi. Pour être le nom favori. Ah, on a trouvé directement. Oh. Il y a des adeptes de la 3v3 ranked, on dirait.
Alors on va voir ce que ça va donner. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut ban dans ce mode de jeu, sincèrement. Est-ce que les gens... 3v3. Bah attends, fais voir le... Bonjour Nono, bonjour. Tu peux mettre, tu peux mettre la phase de pique et ban si tu veux. Qu'est-ce que je banne les mecs? Shlaya, faut ban quoi en 3v3? Shlaya, c'est l'encyclopédie. Bah, il pense... a fait... Bah, je pense que je vais ban Vladimir, je pense que c'est Strong. Donc à mon avis... Eux, ils ban Jax, ok. Je peux fermer ça, là? Tu penses que Trinda, c'est fort en 3v3? Je pense. J'ai pensé à Trinda. Ouais, vas-y, Trinda. Trinda ban. Et bon, le ban Vladimir était un peu Jax troll. Jax, c'est ban. Mais ouais, mets-nous la phase de draft, Trambunator. Ou pique-moi Nidalee. Pique-moi Nidalee, first pick. Les Bruisers, 3v3, ça doit être fort. Alors là, franchement, Aatrox. Ouais, ban Aatrox, Jarvan, quelque chose comme ça. Riven. Xin Zhao. Ah, Riven, pourquoi pas. Ah, je vais peut-être la jouer. Ah bon, bien bah. Ok, bah je ban Aatrox, les mecs. Du coup, est-ce qu'on met quelqu'un dans la jungle? Parce qu'il y a une petite jungle. Bah, je propose que ça soit Sean. Ah bon, dis donc, Sean, on m'a dit que tu étais doué dans la jungle. Ah, pas tant que ça. Sauras-tu t'adapter à la jungle de la 3v3? C'est le truc, j'aime pas quand est-ce que les creeps ils respawnent. J'aime pas quel camp. Je sais pas. Moi, je veux contre des mecs qui tryhardent de la mort. Nida. Tu veux Nida? Ouais. Okay. Ah, c'est un draft carrément que t'as lancé. Ouais, c'est un draft. On est en ranked, les gars. La pression, ah, non, ou pas? Ah, en vrai ranked? Mon dieu. Ah, attends, on va voir ce qu'ils vont pick parce que moi, je sais pas du tout ce qu'on joue en 3v3. Warwick, c'est super fort. Ah, regarde ce qu'il m'a envoyé. Merci, mon cookie. God tier, Cassio, Braume, Jarvan, Jax, Lee Sin, Syndra. Ouais, Syndra, ouais. Ziggs, Panthéon. Il joue Yasuo et Malphite. Oh. Ouh là là. Donc moi, j'ai speed push toute la game, je crois. Ok. Ouais, mais tu sais que speed push en 3v3, c'est pas facile, hein. Peut-être jouer Morgana. Okay. Allez. Alors, qu'est-ce que tu vas me pick? Tu veux jouer Morgana? Ouais, je le sens bien, là. Mais il me faut... Vas-y. Du coup, c'est moi... Avec un zonier, je dois être bien contre eux. On a la P, on a de la D, il nous faut un petit briseur, là. Ils disent Jarvan, c'est fort. Vas-y, tu peux me pick. Panthéon. Oh, Sparta, Panthéon. Ouf. Pique-moi Udyr. Ce sera Udyr. Pique-moi Udyr. Et quelqu'un va dans la jungle ou pas du coup? Bah, toi. Oh, merde. Udyr. On m'a dit que t'étais un peu doué dans la jungle. Ouais, Chips. ouais. Bah oui, c'est toi d'ailleurs sur Twitter qui disait que j'étais pas particulièrement doué. Ouais, enfin oui, moi. Bah, tu sais, quand je dormais. Quand je dormais, mon Twitter, il parlait. Parce vraiment que, étrange. Hein. Peut-être parce que j'ai cast la veille et que j'ai laissé... Non, je suis pas sûr. Ça. Ouais, possiblement, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais même plus comment je vais dire, moi. Ah, de l'anti-shock. Tarpe swap. Vie en 3v3, ah oui, c'est swap. Pété. Vie en 3v3, c'est pété. Ah, c'est trop tard, maintenant. Ouais, c'est trop tard. On a fait nos choix. Oh, je vais prendre la nouvelle Nidalee Léopard. Coquine. La nouvelle Nidalee Léopard. Je vais prendre Morgana, la lame 6. Pas la nouvelle. Volibear. Bon, je sais pas si on les pète avec notre équipe. Hein. Je sais pas. J'aurais bien aller contre le Yasuo. Faut-il que le Yasuo soit seul sur une lane? Très bonne question. Alors on va voir. Bon, vous allez juger de notre niveau en 3v3 en direct. Moi, j'y ai pas joué depuis plus de 6 mois, je pense. Oh là là, Exterminator 67. Ah ouais, non, mais ça, c'est le genre de nom qui inspire genre de mec la crainte. 3v3, tu sais. C'est un mec qui farme la 3v3. Ils s'appellent les bocaux de cornichon, ce sont des Français. Ah nage, qui nous ont sacré. Ah, mais je le connais, Castor, ça me dit quelque chose. C'est. Oui, mais c'est un mec, c'est un diamant, lui. Là, tu veux dire que c'est des bons joueurs en face? En plus. Castor, c'est un Français, un ancien Führer, que j'ai déjà vu son nom quelque part. D'accord. Écoute, on va voir. Et je pense qu'ils ont lancé en même temps que nous, tu sais. Possiblement. Parce qu'ils ont à peu près le même MMR, vu que toi tu traînes vers le top challenger avec Papa Schultz. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Du coup, bah, voilà, d'ailleurs, on tombe contre des mecs forts. D'ailleurs, actuellement, j'ai sécurisé 600 LP en challenger. C'est pas vrai. Si. Bah, je sais que t'as le seum parce que t'as pas du tout réussi. Enfin, t'as à peine fait la moitié de ça, mais. Bah, non. Techniquement, j'ai 0 points. Comment s'est passé ton BO5 d'ailleurs? Alors, mon BO5, faut résumer. Première game, on a 20 minutes de jeu, je déco. Ah, bien. Parce que Riot a décidé que je déco, et du coup, mes potes, je relance la game et ça surrender chez moi. Oh, attends, mais il y a combien de gold là? 825? Eh ouais.
Deuxième game, je fais la pire game de ma vie. Ouais. Où je ruine tout, où je suis vraiment nul. Ok. Troisième game où du coup je me venge sur le mec et je l'invade à H24 et je gagne. D'accord. Et après, quatrième et cinquième game hors stream où je gagne en faisant une bonne game. Du coup. Donc t'es à 2-2. Non, je suis passé. Ah, t'es passé, ça y est. J'ai gagné, je suis passé de 0-2. Les mecs, on fait quoi? On invade ou. Parce qu'il n'y a pas de war. On a une Morgana, je pense qu'on peut chercher le first blood. Attends, mais moi je dois changer mes réglages parce que je suis particulier. J'ai pris des trappes. Alors la question c'est, est-ce que je prends Phoenix ou Tiger? À mon avis. Bonne question. Je vais aller mettre des. Moi, je prendrais bien Tiger. Tiger. Parce que ça fait vraiment mal. Vas-y, Tiger. Mais ça respawn quand les creeps? Est-ce qu'il y a des creeps déjà? Ouais, il y a des creeps dans la jungle. Et oui, il y a des creeps tout court comme sur la map. Non, juste on se fight. Attends, mais là j'ai un petit problème là, mon écran il est un peu décalé. Pourquoi on est là? Parce que c'est normal. Mais je sais pas moi. Ouais. J'ai vu des buissons, je suis rentré. En fait, on se suit, j'ai genre, vu une lumière dans les buissons. Il y en a un qui avance. Regarde par là, attends. Tu le sens. Wow oh oh la cage. Vas-y, c'est parti. On fight. Merde, j'ai flash. Non, mais attends, les mecs qui ont son passif là. Oh, vous avez changé mes summoners. Oh, c'est sale. Je crois que t'as pas ignite, mais je crois qu'il y a flash. Merde, mais summoner. En fait, j'ai flash parce que summoner c'était pas au bon endroit. Bon, qui va solo top ou bot? Moi, je vais solo top. J'ai solo top, allez. Vas-y, ça marche. Il y a des solos? Au fait, il y a des reliques. Mais on est 3 donc. Dans ce match? Ah, ouais, il y a des reliques. Ah, ouais, attends, moi je vais farm la jungle. Ils font quoi là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je sais pas. Ouais. C'est parti, attends, je vais farm la jungle. Attends, ils se disposent comment? On va s'inspirer d'eux peut-être, les mecs. Bah, Voli bien, il a l'air de farm. Il faut Voli hey. Il faut apprendre de nos ennemis. Je suis en train de défoncer mon opposant, moi. Mais j'espère bien que tu vas le défoncer, Nono. C'est une bonne nouvelle. Tu sais, les mecs, ils me zonent en 3v3. Mais genre, laissez-moi tranquille. Alors là, il y a quoi? Là, il y a des vrais, ok. Je vais me laisser push. Sage stratégie. Bon, moi, je galère un peu dans la jungle, les mecs. Vous m'avez bien laissé un rôle de merde, je vous remercie. Je sais pas trop comment je vais faire. Attends, je vais passer niveau 2 quand même sur le deuxième camp, ce serait un scandale. Sinon, je demanderai un remaniement officiel de l'XP. What? Oh, le first blood au top! Eno? Ah, j'ai pas de time. Attends, tu veux que j'ai une gank en bas? Si tu veux, oui. Mais alors, si on les tue. C'est une belle performance. C'est incroyable. On peut focus le Voli parce que j'ai un ignite. Parce que j'ai plus mon flash par contre. Attends. Vas-y, go. Ou. Oh la vache, on chie un peu. Je suis dans la merde. Il y a les creeps. Attends. T'en formes d'ours, Merde. J'arrive, les gars, j'arrive. Y'a la Nida, faut que tu t'en potions. Ah ouais, c'est chaud. Chaud. Ok, je me casse. Ah, c'est un peu compliqué. Non. En fait, c'est un peu compliqué. Je pense que c'était une mauvaise idée, Nono, je suis pas sûr. Moi, je ne suis pas. Ok, bon. Alors. Je crois que je vais rester dans la jungle et que je vais farm les mecs. Hein. Mais c'était un bon gank. Bah merci, je sais. C'est... J'ai mis toute ma conviction vraiment. Hein. Genre je me suis dit ok, on va le tenter et tout. Mais c'est sympa. On m'a dit que hier c'était un peu fort. Tu as remarqué que les hôtels ont respawn alors. Ah oui, il faut les prendre d'ailleurs ces hôtels les mecs. Prends les hôtels. Ok. Je crois que c'est stratégique. C'est comme le Monopoly. C'est ça, exactement. Bon, je vais passer niveau 3. En fait, j'aurais dû gank niveau 3 parce que. Nono, tu me prends script, je te bute. Nana, je voulais prendre, je voulais sécuriser le truc. The flame is real. Allez, attendez, je sécurise l'hôtel là. Nice, on va pouvoir dormir ce soir. LOL. Allez. Bonne soirée. Allez, hôtel sécurisé. Bon, 90 secondes, mec, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on aille cricher. Faut qu'on aille prendre l'autre Ouais, je crois qu'il faut prendre l'autre, mais ils ont dû partir. Ils ont dû partir pour ça donc. Attends, y'a pas de war. Oh, si je te le vole, je suis un seigneur. Merde, non, pas de touche. Ah, forme de la tortue, je vais pouvoir sustain. Ouais. On demande à Nono de descendre sa caméra. Parce qu'il est trop grand. C'est pas drôle, Sean. C'est vrai. Bon, ça se passe là, mais où est-ce qu'ils sont là? Mais je sais pas, à mon avis, ils vont me boucac en haut. Ah, ils ont verrouillé l'autre hôtel. Ah ouais, c'est ça. Ah, les coquins. Ouais, ils sont là, ils sont là-haut. J'essaie de danser. Tu les brain un peu ou je peux tenter un gank mid? Il y a le heal là. Il y a un mid? Enfin non, mid bot quoi. Merci. Je crois ça m'a l'air bien plus clair maintenant. Attention, Nono. Non, c'est bon. Oh, il y a Tiketak en bas. Moi, je vais te laisser un peu avec eux, hein, parce que la dernière fois que j'ai mis, c'est mal passé. C'est très sympa, merci. Moi, je farm un peu.
vais venir pour faire la différence, les mecs. Vous en faites pas. Je vais me stuff avec mon Udyr. Je vais faire esprit de l'ancien lézard. Je ne vois pas quand je repop. Je suis incapable de dire quand tu repop, Bruno. C'est bon. Y a pas de ward du coup ? Non, il y a pas de ward dans cette. Ah, ça sent embêtant. Bah, sinon, ce serait un peu trop simple. J'imagine, tu mets une ward. Et... tu vois toute la map. C'est ça, exactement. Oh, j'étais grave chaud. Ah oui, j'étais grave chaud. Ah, ça troll ou pas en haut ? Ils sont en train de jouer en même temps ? Ouais, mais ils jouent pas au même jeu que nous. D'accord. Je comprends. Bizarre. Bon, les mecs, je back. Je commence à build mon esprit d'ancien lézard. Ok. Bon, je vais prendre quelques potes. Hein. Nous n'aurons qu'une pitié. On va continuer. Je crois que j'ai une veille de leur jungle, les mecs. Je me sens chaud là. Oh nice, vas-y, go go go, je te follow. Attends, j'ai l'impression que les hôtels ils se déloquent là. Ah. Je vais en reprendre un. Mais avant, je farm. On voulait pas. Non, je me suis fait tellement démonter sur le premier gang, je suis un peu frustré là. Oh là, hier ça envoie la sauce. Bon, attendez, je prends l'hôtel. On l'a toujours ou pas ? Ah merde, on l'a toujours. Merci. Je pick up le heal, les mecs. Ça apporte quoi les hôtels en fait ? Des dégâts en plus et tout. Attends, ils sont là. Mais j'ai beaucoup plus d'XP qu'eux, on peut peut-être essayer d'aller. Là, ils m'ont vu. On peut y aller. Vas-y, j'arrive. Lui. Oh, je le sens. Oh oui. Allez. Solide. On l'a sécurisé le truc ? Ah non. Non. Tu peux prendre le leurre si tu veux. Ah ouais, attends, bah il est disponible, je crois. Vas-y, attends. Maintenant, je pense qu'on peut pas, si. Ah si, regarde les runes qui... Allez les gars, allez. C'est dommage que je puisse pas te passer mes potes comme à Dota. Nice. Attention. On fight ? Attends, moi je récupère les creeps. Hein. Oh non, tu ne peux pas fight. Vas-y, je t'aide. C'est bon. Oh la bonne cage. Pas mal, oh. Effectivement. Beaucoup de précision chez Shones. On peut back ou pas ? Ah ouais, on peut back. Ah ouais. Oh, c'est stylé. D'ailleurs, ça prend beaucoup. Vas-y, je back. Ça prend beaucoup moins de temps normalement. On peut back ou pay. Back ou bien. Ok. Oh, il y a un nouvel item de ouf. Critical strike cause your target to bleed. D'accord, tu peux faire saigner ton opposant, c'est ouf. Oui. Complètement dingue. Y'a pas un truc qui s'appelle coiffe de quelque chose là ? Si, la coiffe de bouglette. Ouais. Oh, je le sens. Qui fait l'ancien Zonia et le Rabban en même temps. Enfin, bon, en fait, c'est l'ancien Zonia quoi. D'accord. Je vais faire ça. Ça paraît très bien. Ah, y'a le plus qui est revenu. Le plus ? Ouais, c'est un heal. En fait, les enfants. Nos instincts sont... Je vais aller prendre le plus. Prends le plus. Génie de l'arithmétique. Allez. Nice. Oh, oui. Allez. Oh merde. J'arrive. En bas. Je décale. Oh, le black shield. Oh ! Attends. Je me stack pas à toi. Yazio qui arrive. Oh fuck. Ouais. Yazio arrive. J'arrive les copains, j'arrive. Tout va bien. Tout va bien. On peut y aller. La cage. Go. Go. Wouh. Le volley. Oh les mecs, je bête comme un volley. Vas-y, t'as le black shield. Go. Je les zone. Stun. Pas te heal. La cage, je me shield. Ça passe ou quoi ? Allez. Ah oui. Nice. Bien joué, l'honneur. Le petit heal qui a fait la différence, ou pas. Et le plus, hein, qui t'a sauvé la vie, en fait. Clairement. Ah, t'as les deux heals au milieu de la fight, j'ai pas vu. Non, mais toi, t'as pris le plus au début, qui t'a donné genre 100 HP. Non, mais je rigole, mon heal est level 1, donc... Ça fait combien de... 85, hein, quand même. Et je sais pas en combien de temps les hôtels, en fait, ils sont disponibles de nouveau. Mais ça, c'est sûr, il faut fight pour. Hein. Que, quand on voit comme les fights sont close... Et apparemment, quand tu back sur un hôtel, bah tu le prends. Comme ça, tu perds pas de temps. Ah. Merci du conseil. Qui t'a donné cette stratégie ? Zortus. Attends, mais là, il fait un truc qui me plaît pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend leur hôtel ? Fuck, il a pris leur hôtel. Ah, il est sécurisé. Je peux pas le prendre. Bah merde alors. Il est loqué ? Le fameux loquette. Ah, Nono, tellement mobile, on sent que tu t'es inspiré. Je suis là. La cage, la black shield, tu peux y aller.
Malfeed, volley. Ah non, je le lâche pas lui. Ah, c'est vrai que t'as le okay, lâche. Volley, j'ai dit volley, volley. Ah, ça y est. Oh, le win-wall. J'arrive. Allez, j'arrive. Go, 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 go. Justin. La cage. Nice. Oh oui. Nice. Tu peux l'avoir lui. J'ai pas de cage. On push ou. On push. J'ai un ulti dans 3 secondes. Tu peux essayer de go, mettre un stun et on follow avec l'ulti. Ouais. Je te mets le black shield. Ouais. Yazoo derrière. Yazoo derrière. Je vais aller, je prends cher. Nice. Vas-y, il est pour moi. Tu tankes. Bien joué, oui. Mec. On le cage. On peut y aller. Il faut que les creepy meurent là pour la cage. J'ai la tour. Go. Bien joué, les gars. Bon, bah. On peut push encore. Pas mal. En fait, non, il fait la game tout seul. On peut push. Non. Sans vous, je ne fais pas. J'aurais 0 kill. Mec, t'as 9-1. Ouais, mais c'est grave. Tu me diras, j'ai 8-1. Il a pas d'ulti. Elle régène cette tour. On devrait back. C'est une très bonne question. Est-ce qu'elle régène? Et. On les trappe? Vas-y, je vais prendre mon back là. Je pense qu'on doit plus back. Et oublie pas qu'ils nous voient hein, si on passe sur l'hôtel. Ah, je sais, mais du coup je back et ça me le sécurise. Ah oui, mais il est plus loqué maintenant. J'ai utilisé le conseil. Oh, oh ah non ouais. Bien joué, Nono. Non. Tu l'as pris. Il manquait une demi-seconde. Ah, je ferme top. Vas-y, je t'en prie. What the fuck? Pourquoi je peux pas passer? Partir sur Trinity, je crois. Petite Trinité des familles là. Qui va top? Tu vas top, Sean? Ouais. Peut-être essayer de couper la rotation à 487 degrés. Bonne idée, bonne initiative. Ah, tu scoutes quand même. On sait jamais. Ça coûte rien. J'arrive en assistance, Botlin. Tu peux faire un rappel? Un rappel vers l'ouest? Là, les mecs, il faut se battre pour les. Les plus? Ouais, faut aller chercher là. Ouais, faut aller chercher l'autre là-bas. On peut y aller, j'ai un black shield. Malphite a son outil. On peut bait le plus. On peut faire genre oh on est trop bête, on prend pas le plus et ils le prennent et on les tue. Vas-y. Genre maintenant. J'arrive, vas-y, go. Ah j'ai un ulti dans 3, dans 2, dans 1. Ah 2, 1. Maintenant. Il est mort, Pipo. Il est mort. Ouais. Y'a pas de nasher hein. Si si, y'a un nage, je voulais le faire. Vas-y go. Ah ouais, vas-y, il fait flipper d'ailleurs. Attendez, je prends le point d'abord. Oui, c'est la dame araignée là. C'est ouais. Pas le. Si je l'ai vu une fois, si je crois. Ça, c'est un gros truc, ouais. Il me fait peur. Ouais, bah. J'ai pas trop envie d'y aller. Mais c'est pas un nasher ça. C'est une vas-y go, non, non. Allez. J'ai pris le point. Ah, pourquoi moi? En fait... Ah, mais tu le défonces. Je te heal. Je vais essayer de tempo. Bah, vas-y. Il est où, Yazoo? Nice. Ah, c'est Vilmo. Le smite. Vilmo, ouais. C'est pas un item, ça, machin de Vilmo? Si, y a un item qui s'appelle Vilmo quelque chose, mais... On est bien, là, hein. On est pas bien. Mal, ouais. Non, mon gank en early a vraiment fait la différence. Ah, j'ai un black shield, tu peux y aller, Papa Schultz. Focus la Yazoo. Ouais. Allez, Phoenix. Allez. Dans la mêlée, là. Les génieurs. Allez, mec, on devrait monter une petite team compétitive de 3v3. Hein. Évitons de trop s'en aller, hein. Même. Là, je le trouve plutôt strong. Je pense qu'on a le potentiel, ouais. On back et on rotate bot. Est-ce qu'on peut tuer le Yazio quand il sort? Vas-y, on peut les. Tu vas te faire choper là? Je pense qu'on peut les pas de. Non, c'est le bait. Ah ouais. Oh fuck. Je peux y aller, t'as le black shield. C'est moi qui l'ai, merde. Non, c'est toi qui l'ai. Attends. Oh my goodness. Cage, Yazio. Yes. Attention, on a plus de creep. On se casse. On peut rester à vie avec nos heals. Ouais. Hein. Je le flash stun ou. Ouais, y'a plus de cage, on va attendre la cage. Mais j'ai un ulti hein, s'il faut. J'ai pas envie de le bait que pour lui. J'ai raté. J'y vais. Ah. Il a pris l'ulti. Non. Il est mort. La saloperie. J'ai une cage dans 1, j'ai une cage dans 2, j'ai une cage dans 0. Flash case. Gaffe, ah oui, merde, ça arrive trop vite. Nice. Hey. Bon. En fait, on leur a mis 3 ace, c'est pas d'affilée. Bon, je vais me casser. Et du coup, on va même avoir la tour pote. Comment? Ah, sorry.
Ok, bon, je sais pas quoi up là. Vas-y, on va dire l'ours pour aller plus vite. J'en ai juste l'IRC. Et je vais avoir ma trinité, les gens. Nice. Bah, rotate bot. Hein ? On part bot ? Ouais, on part bot, vas-y. Il revient dans combien de temps, le Vilmo Nashor ? C'est une très bonne question, mais je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Là, on est bien. Hein. Mon avion, allait finir là. La nouvelle 3v3, c'est beaucoup plus dur de tempo que l'ancienne. L'ancienne, c'était impossible de passer. Je sais pas si vous en souvenez. Non, toujours été un joueur à 5v5. Je regarde quand même. Pas mal à une époque en 3v3, mais. D'accord. J'ai ulti dans 10. Il a plus son wall. Tu veux une black shield ? Je suis loin. Je suis là. Cage. Ulti dans 1, ulti dans 0. Je suis loin. Stun maintenant. Oh, il est pour moi. Est-ce qu'il y a, il régène. Merde, il y a un creep. Oh ! Ça régène, non ? Ok. Attention, les gars, ça prend cher. Non, non, t'es un grand malade ! What ? J'ai raté. Ouais, t'as raté. J'y vais, t'es prêt ? Je suis la contre-flamme. Ah non, je les ai envoyés de loin. C'est chaud. Ah, le coquino. Azaï. Et là, je pense que c'est une bière, là, Azaï, d'ailleurs. C'est un aid pour eux, mais on sécure un objectif. La tour des moines. Allez, nice speed push les creeps, attention ça tombe vite. 4K. Ah, il prend très cher hein, le château. Ah, les creeps. Je pense que c'est le moment de faire une XPK. Exterminator 67 qui balance la sauce avec son Volibear. Je m'excuse d'avance auprès de Papa Schulz et de Sparta Schulz pour. C'est l'heure d'une XPK. Non. C'est. T'oseras pas. C'est. Mais comment tu vas la faire ? Bah, en courant. Très bonne stratégie. C'est la stratégie du cours. Ah, ils ont lock leur hôtel. Ah, ils sont back là, dans la game. Attention, j'arrive à pénétrer. Nos instincts sont à... C'est parti. Ah, Nono. XPK. XPK, 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 1000, 1200, 1000, ouais. 700. On te regarde, Nono. 700, hein. 500, 400, 300. Ah, XPK. Hey, Sparta. GG Nono, les gars. Très belle XPK, tu as fini la game en tout beauté. Seul comme un grand. 20h53, mais on peut presque en refaire une, honnêtement. Bah go. Vous voulez en refaire une? Allez, let's go. Ok, vas-y, on en refait une. C'est sympa, fait. Une sweat gel HF pour la Gamescom. Puisque pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, nous les Spartans, on sera à la Gamescom. Je vous pour ai ceux invité. Qui n'ont pas suivi. Pour le tournoi amateur, donc, et on joue au premier tour contre les NIP. Oui. Donc voilà, on va essayer de représenter la France, puisqu'il n'y a que nous, qui représentons full équipe, même s'il y a des joueurs français là-bas. Ça pourrait être suivi. On est reparti. Et du coup, avec ce changement chez NIP, on se dit que vous pouvez peut-être faire quelque chose. Hein. C'est vrai. Après, ce qu'on se dit, c'est que les NIP, ils traînent contre des très bonnes équipes. Hein, c'est ce que dit Nono, je me permets de voler tes mots. Je t'en prie. Mais et du coup, c'est Donc vrai que... Tu voles que ça. Plus compliqué. C'est ça. Et ouais, donc avec nos... Quand on est à 100% et tout le monde est vraiment genre, en forme, on est capable, je pense, de prendre des NIP. Parce que là, on a commencé à tester, tu sais, à monter de plus en plus en échelon. Et là, on est arrivé à l'échelon Gamers 2 et on arrive à les battre. Donc, c'est quand même cool. Parce que je me souviens quand on était à la Lyon eSport avec les HD. Vous avez battu 2-1 en scrim. C'est ça. C'est ça. 2-1 et encore la dernière game, elle était très close. Mais c'est un scrim, hein, ça veut rien dire aussi. C'est un scrim, voilà. C'est peut-être qu'ils testent des champions, peut-être qu'ils n'étaient pas de bonne, tu sais, genre pas très joyeux, tu n'avais pas envie de jouer. La voilà. Joie importantissime. Ouais. Et le Meltdown samedi. Exactement, donc les Spartas sont présents au Melt ce samedi. Allez les retrouver pour une très belle soirée, ça va être sympa. Et la présentation qui déchire, bon je banne quoi les mecs, Trinda. Il m'a dit que c'était Strong. Je sais pas, Fizz, vous pensez que c'est pas que c'est comment? Ça va être ok je pense. Si j'ai banné Trox de nouveau. J'ai oublié un ban ? Ah non. Okay. Ton Jax, dernier bannissement. Jax. Tout le monde, il est beau. Encore Yasuo, mais c'est à la mode Yasuo, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Bref. Tu veux Nida de nouveau ou tu veux changer ? Non, je veux changer, je pense. Vous voulez quoi, les amis ? Je sais pas. Hein.
Welcome to the League of Draven. On a bien un Rengar. Un Rengar? Ou une Riven, ouais. Moi, je prendrais bien... Que prendre, en fait? Vous avez pique ce que tu veux. Ouais. Bah, allez, je prends Riven. Ouais. Vas-y, et je vais prendre jouer... Dragonplane Riven. Ah, le spécial Shogun. Oh, ah, pas mal, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'elle a été up par Lissandra avec ses nouveaux patchs, donc ça peut faire beaucoup. Ah, ça a apporté pas mal de contrôle. Là, en fight avec Riven et Lissandra. Lissandra, niveau CC, on est bien. Ouais, on est très très bien. On est très bien et eux ils ont des champions à go-in donc il faudra un champion qui tempo donc c'est très bien Morgana mais bon j'ai pas joué deux fois le même champion c'est sûr un truc qui tempo ou au pire tu prends un truc qui all-in et tu prends un Olaf. Là, y a Lulu qui est bien sinon mais je suis pas un seigneur de Lulu. Il y a Olaf Karma. Olaf. J'ai pas trop envie de jouer Olaf. Karma ça peut être marrant. J'ai envie de jouer un range AP là. Karma ça peut être marrant en fait là il faut jouer un champion genre qui boost Riven. Karma, ça peut être marrant, ouais. Moi, je valide. Hein. Ouais, Karma, si tu veux, vas-y. En plus, la Karma de Shaun, t'as des réputés nationalement. Ah, si tu me dis ça, alors tout va bien. Le mec, il me troll pas trop. Arrête. Tu as déjà testé en jungle? Moi, j'ai pris Fatigue, ouais, les mecs. À l'époque. Non, si quand je support avec Nono, je joue Karma, mais c'est tout. Enfin, j'aimais bien. Ouais. Bon, du coup, ah, ils ont. Non, mais je pense qu'on peut vraiment les péter, hein. À mon avis, on doit tempo leur ulti. Soit on arrive à go in instant, soit il faut tempo leur ulti, reculer et après y aller dedans. Une fois, tu sais, genre toi tu ouais, caches et après tu go avec ton E une fois que leur ulti sont dépensés. Vas-y. Donc c'est quoi en fait? Là, il n'y a pas de lane. Enfin, il n'y a pas de jungle, pardon. Là, il n'y a pas de jungle du coup. Donc, ça change, mais on n'est pas habitué à ce style de jeu. On n'est pas habitué directement, voilà, mais les Spartiates savent s'adapter à toute situation, Shones. Absolument. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faudrait faire une double lane. Je pense que nos dégâts doivent surtout venir de Nono, donc il doit lane seul. Ouais, c'est ça. Et nous, on peut poke à vie. Enfin, genre, Ryze, il peut pas lane contre nous. Ou contre Personne lui donne un jungle. Ouais, Yasuo non plus peut pas lane contre nous. Mais je connais pas la lane qui doit être solo en 1v1. Je sais pas si c'est la bot lane ou si c'est la mid lane. Je suis pas sûr que ça change grand chose en fait. Bah, peut-être c'est comme en 5v5, la map elle est symétrique, mais tu mets la bot lane au bot. Enfin, bon, ouais, mais non, mais pour sécuriser un Drake, c'est ce que je viens de dire. Bah oui. Tu mets le Kariadé, le support. Le nain est petit. On commence du côté droit. Alors, j'ai start. Bon. Il n'y a pas de relique du coup? Non, il n'y a pas de relique. Ok. Donc du coup, nous on va. En fait, moi je peux faire le mec qui roam hein, avec Arma. C'est facile. Je pense qu'on est pas mauvais au level 1 là. Je pense que t'as beaucoup de mobilité. Ouais, je pense qu'on est pas mal au niveau 1. Bah, à mon avis, ouais, s'il y a quelqu'un qui doit beaucoup roam, c'est toi la limite. Ouais, c'est ça, on va faire ça. Toi tu vas solo lane en bot, Nono en top, et moi je. Toi tu viens avec moi au début. Je vais plus en bot et je roam à gauche à droite. Allez, parti pour le fight. Il est mort. Oh! Oh, ça fait beaucoup de dégâts ça! Dodge! Nice! Allez, Shones! Tu l'as ou pas, Shones? Ah non, il l'a pas, il a flash out. Je crois qu'ils ont tous plus de flash. Ouais, ils ont plus de flash. Et moi je l'ai encore donc c'est parfait. Je vais peut-être couper sur la rotation ouest le Yasuo. Ouais. Il est là. Wow. Oh, dommage! Ah, c'est ça là. Mais du coup, une bonne opération hein, puisqu'on a tué en 2v3. Ouais. Bon, par contre, j'ai plus de flash, plus de fatigue. Mais bon, je pense que sur ma lane, ça doit. Moi, j'ai encore mon flash, j'ai juste plus mon ignite. Non, mais là, c'est pas mal. Là, vous êtes deux en bas avec vos. C'est cool. On va essayer de zone, on peut se mettre là, vu que la wave est au milieu. Vas-y. Et c'est Ryze qui a eu le kill. Attendez, le Ryze a flash. Quoi, qui? Le Ryze. Ouais. Tu sais, genre, je me cache et le mec il arrive, je lui mets un combo. Il est déjà mis de life top. Putain, j'arrive pas à voir ma barre d'XP, c'est dommage. Genre là, regarde. Oh là là. Oh là, il est pas bien. Oh là là. Il est pas bien. Oh, la game, elle est finie pour lui. Là, tu peux freeze si tu veux. Genre, ouais, là, tu fais que des last hits. Non, où est-ce que tu vas? Et en fait, je peux même embêter le Wukong dans sa jungle. Ouais, tu peux même l'embêter, ouais. Et là, du coup, on les counter. Rah, quelle stratégie. Où es-tu, petit singe? Ah, il est là.
Moi, j'ai bien. Ah, je l'ai pas touché. Oh, il y a Rice qui me bloque. Ah, Shift, ça va dire le miss. Quoi ? Mais il était pas là, attends. Sérieux quoi ? Non ! C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, putain. Mais on a Nono au top. Nono qui gagne son 1v1, quoi. Fais gaffe, Nono, par contre, ils sont en ton dos, je pense. Hein. C'est qui ? Ouais, mais Rice, il a plus de flash, il est level 1, ça m'étonnerait qu'il vienne me kill. Ah, ouais, non, Cécile, il est en bas. Il n'y a que le Q. Ouais. Je peux mettre la pression. Le dégel ne viendra jamais. Ah, il peut pas avancer. Tu peux pas avancer. J'attends ton retour, Sean. Ouais, ouais. Retour level 1. Alors là, faudrait peut-être faire. Bah, sinon, on peut échanger les rooms, comme ça, moi je prends l'XP. Ouais. Je vais prendre un petit heal au milieu, si c'est ok pour vous. Vas-y. Vas-y, oh, push un peu pour qu'ils aient la vision sur leur zone de rotation. Essaye de prendre Celestite. Vas-y. J'ai sécurisé le point. Vas-y, je suis avec toi. Est-ce que ça va plus vite? Oh! Tu fais quoi lui? On arrive. Tu peux le slow? Il est mort. Oh, on aurait même pu enchaîner. Oh, je suis un peu trop nul. T'aurais pu faire ton Q sur Ryze? Ouais, on l'aurait enchaîné, on l'aurait tué. On aurait pu l'avoir, ouais. Ok. Donc toi, Sean, si tu récupères un peu d'XP, moi je vais sécuriser notre hôtel. Oh, il est là. Ah, attends, ok. Attention, Ryze quand même, la cage tout tour. Je peux pas trop y aller, non. Ah, c'est bon, je peux y aller, y'a les creeps. Y'a du monde avec moi là? Ouais, bah, on peut essayer de follow, mais Yasuo revient. Attends, je slow. Route. Je suis là. Tu l'as ? J'ai rage. Ah, c'est pas grave. Bien, ouais, je peux pas faire plus. Non, c'est cool. Hein. C'est ok. Doublé sur Chips. Ils ont toujours pas d'XP les cocos en plus. Level alors, 3, level 3 et level 3. En termes d'XP, ils sont vraiment dans le dur. Ah, moi aussi, je suis level. Il y a pas de bac hein, si vous avez ma stuff. Je vais faire un petit wiglet après. Un peu mal cet item. Il fait la diff. Mais pourquoi est-ce qu'il n'existe plus en max en map c'est un guess ah, vraiment. J'ai besoin de ce farm top. Je sais. Okay. C'est pour ça que tu l'auras pas. Tu connais Nono hein. Allez, je back aussi. Et vas-y. Ah quoi que. Non. Moi je suis bien là pour Rome, hein. Je peux aller mettre bien Nono et toi si tu veux tu l'aides. Non ça va, j'ai pas grand chose à faire. Oh. Je suis bien là hein. Attendez les mecs, je vais prendre notre hôtel peut-être. Ah bonne idée. Attends, ils prennent l'hôtel là ? Non, parce qu'il est lock. Il est lock. Ah, ok. Donc là, j'ai notre hôtel. Il y a Tic Tac là. Ouais, il est mort. J'ai l'hôtel. Go. Ah, je peux pas link. C'est un peu loin, mec. J'ai l'hôtel. Oh, go. Oh, le link qui passe. Ah, oui. J'ai link, c'est bon. Ah merde ! Il y a le ride derrière vous, j'arrive. On y va ? J'ai mantra E dans quelques secondes là. Mantra E. Oh ah, mon Q a été bloqué par Yasuo. Beaucoup de dégâts de la tour. Vas-y, auto-attaque-le. Ah, oh, dommage. Pas plus, attention. Ah, c'est chaud. La tour qui fait beaucoup de dégâts. Ouais. Fait beaucoup de dommages à la tour. Ouais. On peut pas passer par là ? Ouais, je viens de le découvrir. T'inquiète, hein, j'ai pensé ça en mode kamikaze. Le mieux, il nous dit non. J'aurais pris 2 hits de tour, je serais passé pour un con. Mais bon, là, du coup, je passe. Je prends le farmbot ? Ouais, vas-y, mets-toi bien, toi. Je back. Ok. Je vais passer 6, attends, mais je sais pas si je passe 6. Oh merde. Hey. Oh, on va tellement pouvoir les tempo avec nos spells. Ils vont être vénères, je pense. Ouais, une bonne compo là, contre eux. Parce qu'ils ont du go in, on a du tempo, même avec Riven, elle peut go out. Là, j'ai vu le Wukong. Je vais remettre la pression. Y'a pas de plus ? Pas de plus. Attention quand même, pas trop de pression quand on n'est pas en position. J'arrive. Eliasio. Ils ont peur, on dirait. Mais il fait quoi lui? À chaque fois, il est fait devant nous. Slow. Je peux go, je zone. Yes. Oh là là, nice. Il a respawn le Nashor? Je crois qu'on peut faire ça déjà. Non, il a pas encore spawn. Pas encore à nous ça? Ah, bah, non, il est à nous déjà l'hôtel. Hein. Je peux le go? Ouais, non. Ah c'est ça, tant qu'ils l'ont pas pris. On a des grosses mécaniques hein, en 3v3. Je bouge le bot. Peut-être l'avoir. Je pense que lui pour le dive, si on peut lui faire perdre tout ça, c'est j'ai bientôt cool. Mon 6 moi. Je vais avoir mon 6, là on peut le dive. Vas-y. Nice. Nice.
Oh, il prend cher. J'arrive en bas, j'arrive. On le dive. Vas-y, bah j'arrive aussi. Je peux te mettre un shield, attends un peu. Attends que le creepy tank. Vas-y, mec, je peux te mettre un shield. Oh, sinon, je tank, mais. Il va vouloir me all-in moi, je pense. Je tank. Je tank plus. Oh, regardez les dégâts de la tour. Ah, ça pique, hein. Vandal. Peut-être prendre la tour d'ailleurs. Sur la prochaine wave. Ouais, il y a la wave qui arrive là. Faites gaffe, j'ai pas qu'elle. J'ai un mantra E. Je peux pas plus, prends la tour, je back. Yes. Il y a le plus pour pas qu'il l'ait. Attends, je vais te faire courir. Ah, attention au dodge. Oh, le coquin. J'ai mon link. Non, on grid, un bout de pain à la fois. Sinon, on s'étouffe, c'est ça? je vous ai entendu à dire cette expression hier, ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Ça marche, là hein? Ouais. C'est une avance, ça. Un bout de pain à la fois. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux manger du fromage avec mon bout de pain? Et paf. Je ne connais aucun repos. Vas-y, je suis chaud. Ils ont repris leur hôtel, donc... Attends, moi, je te booste. Ah oui, désolé. Go. Bon, Nono, tranquillement. Je rétablirai l'âge d'or. L'équipe ennemie a verrouillé le hôtel ouest pour 90 secondes. Il y a Mutant Roshi derrière toi, mais il est level 5. Je crois que tu peux prendre les 3, en fait, Nono. Je crois c'est un peu balance. Non mais, ok. Ok. C'est genre, on sert à rien. Ouais, non mais on regarde Nono. Il est nice ton stream, Nono. Vraiment sympa. Hein. C'est vraiment sympa, t'arrives. Le niveau de ce joueur est intéressant. Attends, j'ai un shield mantra, je vais y aller. 1, 2, 3, go. Lol. T'es bon. Ah, ça déconne. J'arrive pas à lâcher l'aggro. Attends, ulti. Attends, mes CD. Je poke un peu, attends mes CD. Je vais essayer de toucher avec mes pokes. Mon dieu. Ils vont essayer de nous. Oh. Putain, je joue des compos infâmes. Et ça, on s'en rend pas compte. En 3v3. Ils vont essayer de nous go ou pas? J'ai un shield pour backup. Tu sais, les compos infâmes comme ça, là, tu appuies sur un bouton et tu fais rien d'autre. Ah, je sais pas pourquoi il a pas ulti. Ouais, moi aussi. Je m'attends à ce qu'il le fasse, mais... Bon, là, on les siège bien, hein. Carrément. On attend le retour de notre héros. J'ai un mantra dans 5 secondes. Je vais voir si tu peux faire un engage de la moerté. Ils veulent go. C'est vrai, parfait. On peut bait, tu veux bait? Ouais, carrément. Vas-y. Regarde. Surio. Attention, Papa Schultz quand même. Je bait. Oh shit. Attends, ils ont pris notre point? Non. Ah non. Ouais, ils vont go, t'es prêt? Nono, ils foutent quoi? Nono, t'es prêt? Nono? Attends, je prends le machin là. Ah, ils veulent go. J'ai sécurisé les objectifs. Ah fuck, j'ai utilisé trop tôt. Oui, mais attention. Pas de vision sur moi. Et voilà, à cette fois ils go, ils sont pas groupe. Dommage. Là, il est un peu déçu, là, je pense. Attention, il y a l'ulti de Boucon quand même. Il pourrait venir en fufu pour tenter de me sniper. La glace cache de nombreux. J'ai le plus, ouais. J'ai mantra dans 10 secondes. Regarde, je vais le bait. Il est où? Il est là. Ah, l'ignite du seigneur. Ah oh, merde, je vais le temps de le mettre. Je crois que j'ai grid. Ah, je vais peut-être mourir. Je flash. Pour être safe. Oh! Oh, le shield. Oh! Il va dash sur les creeps, on est mort. Je meurs pour toi. Ou pas, peut-être que vous mourrez pas? Fuck. Attends, fuck, j'ai plus de mana. Je suis mort pour toi, Chips. GG. Ah! Ah! Allez. Yes, we more. Cours. Il fait quoi, lui? Ok, bon, bah, je vais chercher mon wiglet, moi, les mecs. Hein. Ah, chance, moi je l'ai pas. Ah, j'ai pas beaucoup de murs à sauter. Hein. Déception, mais. Genre en 3v3. Du coup, contente-toi de sauter les champions, tout ira bien. Hein. Ok, ça me va aussi. À défaut de sauter autre chose. Bah, des murs pour le coup, ils voulaient, hein, je sais pas. Hein. Nono qui préfère les choses. Robustes. Bien dur, ouais, c'est ça exactement. Bah, les mecs, faut reprendre leur. Ah non, mais on l'a sécurisé, Nono l'a pris tout à l'heure. Bon, je propose qu'on. Ah! Push bot? On prend la tour top ou. Bah non, mais ouais, là, on peut prendre l'ini, ma force. Hein. Je vais prendre le gros creep qui rapporte 300 gold là-haut.
Ah, stylé, vas-y, moi aussi je viens. J'arrive. Ah, ouais, d'accord, il passe par le Vilmo. Oh, 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 oh. Je crois qu'il va prendre trop cher. Je suis mort. Ok, Nono. On arrive, Spartan Nono. Tu fais du 2v1, Nono. On est là, 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 on est là. Continue, 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 continue. J'ai un shield, 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 j'ai un shield. Stop disrespect, s'il te plaît, Nono. Ace. Okay. Stop bouge-bot. Allez. Bah, du coup, hein, je pense. Vas-y, go. Et on va prendre l'hôtel, là. Bah, il est à nous, je crois. Il est à nous, déjà. Ok. Il est à nous. C'est vrai qu'on va pas très bien quand c'est à nous, pas. Ah, c'est pas très clair, hein, pour le niveau compétitif. Je vais back quand même, j'ai ma goulette, j'ai 200 HP. Non, oh, tu me diras non. C'est vrai que la tour est là. Il tape la tour. Ah, c'est chaud. Je suis là. Je crois qu'il est CC dans le coin, mais oula. J'ai slow. Ouais, j'espère qu'il dash pas sur les creeps. Oh, je suis bloqué, je suis mort. Je vais pouvoir y aller, non, je vais pouvoir y aller. Oh, je suis pas mort. Si, je suis mort. Oh merde, attends, on y va ou pas? T'as l'ulti? Vas-y, go. Tombeau de glace. Nice, vous êtes pas mort, go, Wukong. Attention, il est en illu. Damn. Je pense que tu gagnes pas le match-up. Tape les creeps. Ah, t'as dû taper les creeps avant. Bien essayé. J'aurais dû taper les creeps avant, mais t'as raison. Bon. On loose ce fight-là, mais on prend la tour de l'inhibiteur. C'est worth. Okay. On sécurise l'objectif. Toujours écrire dans le chat. Et le seul mur que je peux sauter, c'est celui-là. Regarde. Allez, le plus utile. C'est celui avec le plus impact. Ouais. Bon, maintenant, alors, est-ce qu'on les bait à Vilmo? Carrément. Vas-y. Ah ouais, un gros bait à Vilmo. Attends, mais il faut reprendre ça aussi. Oh les gars, on n'est pas... Non, mais il est à nous, celui-là, non? My God. Il est à nous, c'est bon, il est à nous. Hein. Ah ouais. Sur moi, je t'empo, j'ai un shield. Non mais c'est bon, je suis bien. Si je suis bien, c'est un bait. Nice. J'ai démarré un peu trop tôt par contre. Nono qui découpe. Vas-y, on va prendre ça. À deux. Ouais. Okay. Le truc c'est le Nash. Wouh. Le Nash ça se fait à deux. Il est vraiment 10 fois plus stylé que le Nash. Ouais. Mais attends, le nouveau Nashor, je pense qu'il va être sympa. Ouais, c'est vrai. Mais j'avoue qu'elle est vraiment pas mal. Wow. C'est bon. Et du coup, ça fait quoi? Oh! Ah, on a un buff. Le PV, le mana de ce champion se régénère, sa vitesse d'attaque est augmentée, ses délais de récupération sont réduits. Ah, c'est vrai qu'on a 40% de délai? Oh non, il est ulti. Oh non, non. Non! Allez, il va tomber finalement. On va sur les Nim, nous, Sean. Allez. Bon, parce que Nono il fait le con en haut, mais il faut bien que ça gagne un mot ou un autre. Hein. Ah non, du coup, j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit sur le buff, je l'ai perdu. C'est les PV, les manas de ce champion se régénèrent, sa vitesse d'attaque est augmentée, ses de récupération sont réduits. Ah ouais! Ah, il est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le buff couteau suisse. Ah, ils ont verrouillé l'hôtel. Ah, allez, hors premier hôtel, les salauds. Ils sont là. Ah, oh, je le sentais aussi. Tellement mieux. Il est là, c'est faux! Je crois discrètement, mais. Yes. Bon, j'ai c'est mis bon. Mon ulti sur le clone. Mais c'est pas grave. Je suis une sublime. Il est à nous. Tu veux approcher Ryze? Viens. La compo infâme. On a un Yasuo. Attention. Je trouve vraiment que le Q de Lissandra a une trop courte portée. Attention, retour de flamme. Je vais y aller. Vas-y. Oh, ils sont pas bien. Et c'est la conclusion de la game U. 3 KLO fight. Ah bah là, mec, les contrôles étaient parfaitement ajustés. On devrait jouer au poupées russes comme ça. Sur end. GG. Oh! Eh ben dis donc! J'aurais pu le faire au Soda! Eh ben! GG! GG, messieurs, bien joué! Belle prestation de 3v3. Hein. Très très belle prestation. Du coup, on va se laisser pour une page de publicité. On revient juste après pour le fameux mode draft
Donc à suivre, Wouhou, équipe de Shons contre équipe de Nono, vous pourrez jouer. Alors d'ores et déjà, mettez vos je vais faire un post sur Facebook, mettez exactement vos pseudos, votre niveau. Donc si vous êtes diamant notamment entre diamant 1 et mettez si vous êtes diamant 1 ou pas. C'est pas ça que tu voulais ? C'est ça, exactement. Parce que alors, les bronzes valent 0 points, les silver 1 point, les gold 3 points, les plates 5 points, diamant 5 à diamant 2 6 points, diamant 1 7 points, challenger 8 points. Donc si vous êtes diamant 5 à diamant 2, mettez-le surtout, précisez-le. Diamant 1, précisez-le également. Et donc, Sean et Nono feront leur équipe à partir de vous, public, sur le post que je vais mettre sur notre Facebook. Sur ce, on se retrouve après une page de publicité. A tout de suite pour le draft des génieurs. A tout de suite. Et on est de retour alors pour le fameux draft des génieurs entre Sean et Nono qui sont chauds. Ils se sont balancés des pics pendant la pause. Mais avant ça, on a quelques vidéos à la noix, deux petites vidéos donc pour à votre bon cœur, comme on dit chez nous. Donc, qu'est-ce que vous voulez alors, qu'est-ce que vous voulez ? Rambouinator, est-ce que tu as les fameuses vidéos à la noix ? Parfait, parfait. Donc on va commencer par la vidéo. Tout de suite la première. Ta-ta-ta-tum. Des fights au Nashor comme on les aime. Hein. Alors, et là, alors ouais, celle-là, elle m'a fait mourir de rire. Il tente de les cheese au niveau 1. Une belle démonstration hein, de cheese niveau 1. Alors messieurs, on est parti pour le fameux draft des génieurs. Alors, peux-tu me remettre le décompte des points exactement, Sean? Donc, bronze, 0 points. Silver, 1 point. Gold, 3 points. Plate, 5. Diamant 5 à diamant 2, 6 points. Diamant 1, 7 points. Challenger, 8 points. Sait-on jamais? Vous avez un total de 10 points, messieurs, à dépenser. Et donc,
Vous allez faire votre sélection. Alors, on va commencer par Nono, ton premier pick. Qui vas-tu élire dans la tripotée de gens qui se sont proposés? Donc, j'avais dit quoi? Moi, je veux un plat. Donc, quelle va être votre, votre stratégie? Plat, 5 points donc. Mettez vos casques, messieurs. Plate, 5 points. Non, c'est bon, normalement. Oh, tu peux le faire comme ça ou de l'autre, ça change pas grand-chose, finalement. Ok. Alors, moi, je vais commencer par Balsac Adekari, platine. Donc, ça me fait 5 points en moins. 5 points en moins. Il ne t'en reste plus que 5, Nono, pour ta draft. 5 points, tu utilises. Ouais. Nice. 5 points, directement. Si tu veux, tu je ne suis pas dans la game en fait. Oui, invite Chones. Invite Chones dans la game quand même, au cas où. Histoire que je joue. Ça serait bien, pas mal quand même. On se part pas. Les filles d'habitude. Alors toi, qu'est-ce que tu vas prendre, Chones, pour ton premier pick? Bah, le premier, là. Il est gold, donc ça va, ça me fait pas beaucoup de points. Wars Dig, EU West, bon, gold. Bon, en plus. Gold de 3. Tu m'entends? Tu le vois ou pas? Ah, je peux pas inviter. Tu peux me donner le droit d'invite? Oui, il est là, là. Je t'ai donné... Ah oui, pardon. War Ziggs, tu vas pas donner les invites? Ouais, voilà. Nice. Donc il a ses droits d'invite aussi. War Ziggs, EUS, donc un gold. Le gold, c'est 3 points, si je ne m'abuse. Donc il te reste 7 points, Shones. Et toi, 5, Nono. Exactement. Bah, déjà, j'ai spoil, parce que je vais prendre un silver, ce sera Charles Duchesne. Non, Stax, pardon. Peut appeler par son prénom et son nom également, du Stax. Coup, donc Silver, ça te fait moins un point. Donc il t'en reste 4. Bon, tu sais. Il déjà, te reste 4 points. Alors tu les as, tu leur as dit qu'ils vont bot lane? Non, non, il y en a un qui support, l'autre qui a des carrés. Okay. Donc voilà. Je dis... Ok. Donc t'as, t'as préféré prendre un carry AD plus fort en termes d'élo. C'est ça. Alors, Shones, quel est ton prochain pick? Je vais prendre un plat. Un plat. Prendre le. Moins 5 fille. Points. Allez. Moins 5 points. Très bien. Ça fait... Il me reste plus que 2 points. Ah ben, 3. Ça donc fait 3, 5. Il te reste 2 points. Allez. Ok, très bien. Il te reste 2 points. Et moi, il m'en reste. Serré, Mais toi, t'as pique un platine. Et un silver, il m'en reste 4. 5. Ouais. T'en remets les stats. Remets les. Ah, les stats. Donc, je prends un gold, je pense. Un gold. J'ai besoin d'un gold en jungle. Donc, je vais regarder. Jungle. Jungle. Gold 1. David, Setsuna. Sub jungle top. Bah, génial. Setsuna sera mon. Jungle, je pense. Très bien. Ok, donc toi, Nono, du coup, il te reste. T'as alors, dépensé 5, 3. 5, 3. Donc, 8. Il te reste un point. Et un. Ouais. Il te reste un point. 8, 9. Ouais, il te reste un point. Donc, tu peux prendre un argent ou un bronze en last. C'est à toi de voir. Je prends un bronze, moi. Tu vas prendre un bronze. Je pense que je vais prendre. Pour le beau jeu. Donc Nono qui joue sans dépenser tous ses points d'armée. Exactement. Le seigneur. Et toi, Shones, quel va être ton pic là? Top, donc je vais effectuer comme Nono une recherche avec le top. Donc moi, je dois prendre un silver ou un bronze. Gold. Non, attends. Top gold 2. Je peux... top silver 2. Parfait. Firlin. Firlin. Firlin sera... Pimpin, tu es l'élu. Le top. Donc là, j'ai top, j'ai vu que j'ai support au ADC. Donc 3, 5. Il a et nous, alors nous, on a précisé qu'on jouait mid, c'est ça? Oui. Donc nous, on joue mid. Hein, c'est okay. Mid. Nono contre moi. En mid, et du coup, il me reste. Il te reste 5, un point. 3, 2, il me reste un point. Il te reste un et point. Et je vais faire comme Nono, histoire que je sois équilibré. Je vais prendre un bronze. Mais du coup, il est en. Attends, c'est à moi. Toi, t'as pris ton bronze? Ah, tu l'as pas pris toi? Ça sera Hot Banana qui sera notre top laner. Tu seras le bronze de Nono, Hot Banana. C'est ça. Donc j'ai Warzigze dans la jungle. Ah non, attends, il est argent. 4. Ah, peut-être en 3v3. Ah merde, j'ai mal lu. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai droit à un point. Ouais, dans t'as le droit à un point, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors, est-ce que tu prends un bronze pour bah le beau oui, jeu? Un bronze pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Et du coup, alors attends, j'ai dit un top. Donc là, il faut un carry AD ou un support bronze. Il joue partout. Ah bah, c'est Bill Boule. Je joue partout, Bill Boule. Polyvalent. Allez, tu sais, Bill Boule, tu seras en bot lane avec Laura. C'est parti. Très bon pseudo. Donc vous jouez juste l'un à côté de l'autre, donc essayez de pas ghost l'écran adverse, ah non, bien entendu. Mais après vous jouez sur la même lane au début. Donc bien. Okay. Et moi je vais vous troller les gars. C'est parti. C'est parti, écoutez, mode draft, on est rentré dans la game, allez let's go. On a la régie qui changera en fonction de... Salut mon équipe.
Nono directement qui encourage ses troupes. On est la meilleure équipe, mais ils ne sont pas au courant. Nous y arrivons. Et Alors, à vous, messieurs, de gérer la phase de draft. Donc, est-ce que vous voulez outban et outpick votre adversaire direct, ou est-ce que vous allez jouer plus global? Non, pas de outban. Je joue global. Ce qui est bien, c'est que vous jouez tous les deux mid, ce qui n'est pas votre rôle. Du coup, j'apprécie. Vraie pute. Ça banne quoi? J'ai banne trèche. Il a banne trèche. Trèche? Pourquoi trèche? Parce qu'un pick qui peut faire très mal. Hein, ouais, à si bas c'est niveau, bien joué, si ça c'est bien joué. Bien et je préfère éviter. Je vais te tuer. Eh bien, comme je vais laisser Lee Sin, parce que j'aimerais bien qu'un de ces joueurs joue Lee Sin. D'accord. Révélez-nous vos stratégies, les mecs. Hein. Allez-y, allez-y. Et je banne Nasus. Parce que je sens que ton top laner, donc qui est Hot Banana, c'est pas ça? Non, c'est... Si, c'est Hot Banana, mon top Hot Banana, et bien, je sens silver. Que c'est un joueur de Nasus. D'accord. Ah, Sean qui va très loin dans le mind game. Ouais. C'est une de mes forces. Alors là, je pense qu'il faut que je me tourne clairement vers un outban de Sivir ou Chaco. Mais je pense que ça sera Yasuo. Un Yasuo. Je sais pas pourquoi. Il sent que Sean est chaud du Yasuo, peut-être. Il a peur de moi en mid, je le sais. Exactement, j'ai bon, ban Yasuo. Petite anecdote, j'ai jamais gagné en 1v1 contre Nono. D'accord. Mais dans la méta Karyade. Là, t'as pas le droit de prendre Karyade. Non. Ok. On prend des midlaners, ok. Prenez des midlaners, prenez des midlaners. AP, ok, pas de soucis. AP, Z, vous pouvez, hein. Enfin, ouais, moi je pense Z, okay. Z Ah ouais. Bah, Z, oui, tu peux. Z. Bah, je sais que t'es un bon joueur de Z, donc montre-le-moi. Hein? Ah. T'es un bon joueur de Z, Nono? Il est pas dégueu. Ah, mais j'aurais pu le ban, Z. Vu que tu m'as ban mon Yasuo. J'avoue. Ah ah. T'as décidé de ban Nidalee. J'espère que cette erreur va pas te coûter la win. Le mec, il joue au pick et ban, tu sais. Et je propose un last ban en tant que. Ouais, je bannerai. Je sais pas quoi ban. Je ban Rengar. Bon, allez, je ban Rengar. Allez. Ah, est-ce que tu bannes son Z? Il a ban Olaf. Tu bannes Olaf. Est-ce que quelqu'un veut un force pick? Parce qu'il voit pas le message caché. Nono. Eh oui. Ah ouais, après. Eh oui, mon bichon. Nono. Ouais, il manque un. Après, c'est. Ouais, c'est plus No, tu vois. Ouais, mais il y avait pas 4 bans. Il manque un. Je veux bien. Un peu dyslexique des bans, peut-être, Sean. Non. Alors. First pick du côté de Nono, la Morgana. Est-ce que c'est ton pick? Non, ce sera pas pour moi. On a fait un call sur le chat. D'accord. Et j'espère qu'il a tous les héros. Ah, Nono qui est un joueur complet, qui peut tout jouer au mid. J'espère. Est-ce qu'il y a des first pick dans mon équipe? Et après l'émission 100% comestible, messieurs, donc il y a un stream, si je ne m'abuse. Ah, les 2000 laners qui veulent pas te laisser. Bah non. Pick. Bah ouais, parce que si tu veux te faire contre. Ouais, excuse-moi. Donc après la 100% comestible, il y a un stream, c'est ça, avec des conseils. Goldplat, ouais. Goldplat, qui sera tenu par. Tenu par Lune et Shlaya, je pense. Lune et Shlaya. Ouais. Très bien. Lune et Shlaya, après, donc pour des conseils Goldplat bien sentis. Ah, tu regardes le chat, coquin. Ah non, je regardais pas, je regardais ce que tu faisais en fait. Ça pique quoi? Orianna. Donc Sean va jouer Orianna. Je voulais le cacher, mais Warzix a eu, elle n'a pas compris le swap. D'accord. Dommage. Putain, il a vu mon pic maintenant! Ça sera la Syndra de Nono! Je le savais! Putain, qu'il a joué ça! Ça sera un pic Syndra. Syndra, Orianna, on joue la méta hein, au mid. Ouais, clairement. J'ai dit avec une Cassiopeia. Hein. Oh, ça aurait été beau! Pourquoi tu joues pas Cassio? Bah, faut porter ses balls, Nono, dans la vie. Je serais bien fait kite quand même. Faut porter ses balls dans la vie. Et c'est un pic Varus en tant qu'Ariadé. Alors ça, j'aime beaucoup. Ah, et pour le moment, on est une team full violette de notre côté. Le violet qui est la couleur de. Des couleurs de la mort. Bah pour vous exactement. De la mort, du et deuil, du deuil. Et de la frustration. Ah ouais, mais c'est pour vous, c'est normal. C'est pour vous. Mais alors oui, à qui va s'appliquer la mort, le deuil et la frustration, les mecs? Auquel des deux? À l'équipe qui prend le violet sur elle. Non, possiblement. Bah si. C'est vrai. Mais en même temps, les purple team. Malphite vie. Oh, la team à combo.
la team à combo du côté de Sean. Oh là 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 là. Ça va pas être avec nous Morgan Paris. Sommes dans la merde. Il faudra prévenir de prévoir des banshees. À mon avis, le pauvre Varus, il va se faire hard focus. Mais après, c'est le pick Jarvan. Pick Jarvan qui peut être très fort. Et vous avez des belles équipes de teamfight là, les mecs. Hein. Par carrément, contre, ouais, la team de shots dans teamfight, j'avoue que. Bon, allez, Obama, sors-nous un gros pick en top lane contre un Malphi, t'as pas trop à craindre. Le Maokai de Setsuna. Tu peux free farm, hein, Hot Banana. N'hésite pas à prendre un héros. Oublie pas de pick aussi. Ah, il va oublier de pick. Et il a random Mordekaiser. Ah. C'est le random Mordekaiser. T'es sûr que c'est random? Si, je pense à un random. Parce qu'il a FK, Hot Banana, ouais. Il parle pas là? Hot Banana, es-tu là? Parce que normalement, s'il a FK, ça dodge. Mais ouais. Je suis pas sûr. Pas en personnalité. Oh. Attends. Est-ce qu'il est là? Il n'a pas l'air d'être là, c'est embêtant ça. Du coup, quelle est la décision qu'on prend? Mais je pense qu'on va le voir. On fait les mêmes pick et ban, mais... On va juste remplacer Hot Banana. Ouais, on va remplacer Hot Banana. Hot Banana, tu as 20 secondes. Hot Banana. Ouais, attends, j'attends. Attends les 10 dernières secondes, et sinon on effectue les swaps. Parce qu'en plus, il joue avec heal, donc... Ouais, c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pas là, Hot Banana. Bon. Allez, je vais live, et du coup, je vais recréer tout de suite. Et du coup, attends, pour les noms des joueurs... Ah ouais. Quoi? Quelqu'un peut live? Go live. Bah toi, live. Quelqu'un. Ouais, bah moi, ouais, c'est bon. Ouais, vas-y, live, j'avoue. Jack, et okay. Du coup, je le kick. Bon, bah, Hot Banana. Du coup, c'était... Je te rends vite. Ouais, merci. Ah oh, merde, j'arrête pas d'écrire HD. Ok. Et j'avais quoi déjà? Un... Bah attends, on va voir, on revient sur le truc. C'était un... Or, argent... Ah bon, un silver. Ouais, donc là, t'avais le choix entre silver et... Regarde, bronze. C'est lui. Silver, ouais. Ok. Donc il me faut un silver. En top. Plate 5. Top, top. Ah merde, attends, si je regarde pas le... Ah, il y en avait un là. Gold 1. Gold 5. Recule, descend. Non. Si, j'ai vu lui. Ah, voilà, ça sera The Wolfred. The Wolfred. Il sera notre top laner finalement. Ok. The Wolfred. Qui est la personne qui constitue le mieux ses armées entre Shones et Nono? C'est la grande question. Bon, j'espère que The Wolfred n'a pas live le stream du coup. Non, là, il est là. Parfait. C'est parti. Allons-y. Donc là, on peut ban. Donc, il n'y a que The Wolfred qui devra adapter son pick au reste. Il est paint. Même pick. Syndra. Ok, salut The Wolfred, bienvenue dans la game du draft des génieurs. Wolfred qui a le droit de prendre ce qu'il veut. Ah oui, ah oui du coup, ouais, Wolfred forcément. Wolfred qui a le droit de ce qu'il veut. N'hésite pas à le dire. Bien évidemment. Je suis le héros de ce monde. Il a l'air bien en forme, Wolfred. Ça fait plaisir. L'équipe de gagnants. Donc Balzac qui avait pris Mao. Non, Varus. Varus. Varus, ouais. Et The Wolfred, alors là, pique ce que tu veux. J'ai bien peur que tu me chies dessus poliment, non. J'ai pas mes configs, hein, donc t'as toutes tes chances. Tu sais, le mec, on joue l'un à côté de l'autre. Il dit ça. Et une Shyvana pour Why The not? Wolfred. Pourquoi pas? Non. Non. S'il te plaît, ne pas la preuve. Ok, Shyvana. Ah, tu vas avoir beaucoup de dégâts de l'équipe. Hein. Et ça sera une Shyvana. C'est parti. Allez. On est parti dans la game. Bon, messieurs, comment vous le sentez au vu de la phase de draft? Je vois quand même un gros avantage au niveau de l'équipe de Shones. Hein. Il a quand même pas mal de press air. L'équipe bien débile. En plus, il a une vie Orianna. Donc, je sais pas s'ils ont parlé pendant le chat en prenant prends vie. On va chat donne le mid. Parce que là, pour le moment, la Syndra va se faire complètement défoncer. Pas de bol, c'est moi. Non, sincèrement, il n'y a aucune strat qui a été faite. Il joue la vie.
Parce que là, Viorana, c'est quand même le combo qui est intimidant. Après, encore une fois, hein, si par exemple la botlane fait la div de ton côté, tu vois, après il peut prendre la tour, rotate mid, mettre la pression. Si j'ai pas le bleu, il me prend de la mana. Du coup, toi avec Syndra, tu peux fast push. Et après, non, je suis, en fait, je suis même pas inquiet pour mes alliés. Ah. Je suis uniquement inquiet pour moi. Je sais que mes alliés vont bien se débrouiller. Et d'ailleurs, ouais, alors voyons les niveaux sur les différentes lanes. Donc dans la jungle, c'est gold contre platine. Bon. Au bot, donc c'est support platine contre Stax qui pour l'instant est en chargement. Ah, au niveau deux ex-platines, au niveau du Shuns. Au niveau des carry AD, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, messieurs? Il a deux ex-platines, Shuns. Donc, ah ouais, gros avantage. Ah, mais ça rend 5v5 contre v3. Ah ouais, moi peut-être. J'ai... Le brome est plate. Brom est plat. Et Warzyk The U est gold. Warzyk The U est gold, actuellement. C'est vrai? Moi aussi, j'avais, non, moi aussi j'avais plus de 2k elo en saison 2. Hein. Mais ah maintenant, oui, je me considérais comme gold. Ça c'est peut vrai jouer. Et toi, tu étais main Shaco. Ouais. Et pourtant, tu joues carry AD. C'est vrai. C'est quel vrai triste changement, Nono. Qu'est-ce qui t'est arrivé le jour où tu as effectué ce choix? Et Stax, voilà, qui arrive avec sa Morgana. Donc moi j'ai... Qui est ton silver ou bronze? Potentiellement le plus faible de l'équipe. Toi, ton... Toi t'as quoi comme duolane finalement, Nono? T'as un plat, non? T'as duolane actuellement? T'as du bon niveau. J'ai un... Je crois que ton Varus Arctic est plate actuellement. Mon Varus est plate. Ouais. Ma Morgana est... Gold. Gold. J'avais dit Pringold gold non, gold jungle. Gold jungle. Ouais, gold demandé jungle. Et non, c'est silver, silver la Morgana. Voilà. Et moi coup, c'est plate pour le support et vous avez fait bronze les mêmes picks, pour finalement le carry AD. Vous avez fait ça les mêmes picks finalement. T'as pris un bronze toi pour j'ai pris un bronze à la carry AD, ouais. Ouais. Parce que voilà. Donc à peu près la même stratégie. Vous n'avez pas tout joué sur un diamant 1 par exemple? Non, c'est vrai. Non. Parce que sinon ça ferait trop genre on fait la game à deux et tu vois ça laisse pas l'opportunité. Après, bah, non, c'est-à-dire c'est vraiment, à vous de voir, les mecs. Le c'est vous les capitaines d'armée. Hein. Non, je trouve que c'est plus sympa d'avoir tous les niveaux. On ne vous blâmera pas pour vos choix. Tu sais, tu te crées une ferme à farm justement quelque part sur la map. Non. J'avoue, tu mets les deux. Ça peut être marrant. Non, mais voilà, après, c'est stratégique, hein, la draft du génieur. Et on est parti dans la game donc. Pour l'instant, écran de Nono, donc avec sa Syndra. Vous avez déjà eu le match-up au mid, l'un contre l'autre comme ça? Non. Jamais? Bah... Donc, c'est une grosse première. La dernière fois qu'on s'est rencontrés en solo queue, on jouait tous les deux carry AD. Et... Ah ouais, forcément, t'as du mal le vivre. Et au début, j'étais devant parce que j'avais eu des ganks beaucoup du jungler, mais après, Nono a fait la diff tout seul. Ouais. Pas avec ses alliés, mais notamment tout seul avec son Ezreal de génie. Merci, tu vois. Voilà. Mais en mid, non, jamais. Jamais, jamais. Je sais que Nono est un bon joueur de Syndra et je me considère comme un bon joueur d'Orianna. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant, surtout qu'on n'est pas sur le même stuff. Vous n'êtes pas sur vos stuff? Sur le même stuff, ouais, exactement. Attention, ça ping de part et d'autre. Vous voulez que je vous mette un truc entre vous pour vous séparer ou non, vous regardez pas l'écran adverse, pas c'est cool. Ok, focus sur la game. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh là, oh ça va fight, ça va fight, il y a des informations qui ont été prises. Okay, 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 on les a vu passer, on les a vu passer, les stacks sur Nono, les stacks sur Nono, Nono qui a mis le flash. Alors ah, n'arrête pas, non, n'arrête pas, il n'y a pas une cage qui va passer bientôt. Attention au cage, joueur. Flash, Nono, 6-10. Oh la cage, oh la cage sur Firlin. Firlin Pimpin, comme j'avais appelé tout à l'heure. Ah, YOLO. Nono, alors plus de flash. Plus de flash sur Nono. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, tu vois, je m'étais mis dans le buisson parce que voilà, parce qu'il n'y avait personne qui m'a vu et j'ai vu tout le monde passer ici. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un go à mon équipe et la vie de mon équipe qui a pris le A, qui a très bien fait parce que normalement on commence pas au A, mais là du coup, qui nous fait gagner le level 1. Mais du coup, avec l'an sur sa jungle, on va pouvoir la contest. Ah. Pas mal la strat, ok, j'apprécie. Et on est parti pour le match-up au mid. C'est vrai que c'est compliqué là. Ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Ah, on vient de le, tu vois. En plus, moi, juste avant, j'ai joué sur mon matos. Allez, on commence à farm de part et d'autre. Bon, on a le match-up en visu. Shones qui essaie de mettre la pression à Nono. Bah, le truc, c'est que Shones, là, tu dois jouer seulement sur ton auto-attaque. Au niveau 1, si t'as pris le shield. Ça, c'est pour encaisser les A de Syndra.
Après, on va voir, hein, ça va changer. Shons, il aura la totale maîtrise de sa boule qu'au niveau 3. Pour l'instant, tu n'as plus Q. Logique. Et moi, je pas. Oh, non, oh, le gang. Ouais, oh, le gang. Nono, il n'y avait plus de flash. Il le savait. Il le savait. Le flash shield, c'est le. Oh, non. Oh, oh là là, Warzig a eu. Oh, la dernière auto-attaque qui va passer. Le ball cheese au level 2. Oh là 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 là. Ça s'est joué à rien. Nono qui s'escape finalement. Mais Nono sous pression. Ah, il a pas de flash. Dans la partie. Tu le sentais venir, Nono, ce gank ou pas? Je m'attendais à un truc du jungle. Pas aussitôt, mais peut-être. Peut-être pas aussitôt, ouais. À la vie qui a été agressive, là. Très, très agressive pour le coup. Ah, et Shons qui zone très bien Nono, là. Fait 5 CS pour Nono contre 9 pour Shons. Un peu de poke. Oh là, le stun qui est bon. Oh, les lourds dégâts sur Shons. Nono, tu vas prendre l'aggro des creeps. Hein, ça va. Il prend pas l'aggro, en effet. Ça va. Ah, Shons qui a pris cher, là, sur le stun de Nono. On a bien joué le coup. Oh, il y a pas mal de creep, il y a pas mal de creep. Nono, il faut choisir, il te reste pas beaucoup de mana. Ça va être du last hit. Je sens la pression. Est-ce qu'il y a une question d'honneur entre vous deux maintenant qui se joue? Ouh, la vie qui... Oh, le bon combo. Shons, les auto-attaques, petit stun de la part de Nono. C'est tendu, hein. C'est tendu. Oh là là, regarde-moi cette vie là qui est toujours au niveau de la mid lane. Camp, c'est un scandale. Ouais, c'est normal. Ah, TP back du côté de Nono. Hein. Oh, on est trop sous pression. Hein, oh, incroyable, oh, incroyable. Warzig West, la vie. La vie. Le prédateur de la jungle qui tue Nono. Je sens que cette partie va être du 1v2. Je le sens gros comme une maison. Mais si c'est ça, peut-être que le reste de ton équipe peut gagner ailleurs, Nono. Clairement, hein, je leur fais clairement confiance. Et ma botlane pour le moment qui se débrouille pas trop mal hein, en dépit du. Fais voir, ça donne quoi? 31 à 20, ah oui, effectivement. Bah, le Varus qui est plate et Bilboul qui est bronze. Donc il y a un petit écart au niveau des ligues entre les deux joueurs. Peut-être que c'est ce qu'ils jouent là dans leur league game. Le chase de Nono avec le stun sur Shons. Alors si vous avez un petit taunt à balancer sur l'autre, n'hésitez pas. Hein. Peut-être qu'il est un peu tôt. Il est peut-être un peu tôt. Je suis gentil. Moi, je voulais juste back pour avoir mon calice de l'harmonie. Il ne veut pas me laisser back. Ah, Nono, on l'appelle le relou. Ah, 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 je peux pas t'aider. Go, go, route le mec. Oh, le route, oh, le route. Le stun de la part de Nono, Max Range avec le saut derrière. Et la vengeance personnelle de Nono. La vendetta de Nono dans cette early game sur la vie. Belle invade de la part de Maokai. C'est bien. C'est la meilleure équipe. Moi, du coup, je perds une grosse bague au mine. Alors que je suis pas mort. Nono qui est confiant pour ses picks. Hein. Très, très confiant. Il croit en vous, viewers. Je m'amuse d'un troll un peu aux caméras. Parce que moi, je peux pas être assis pendant cette game. 6 minutes de jeu. Et pour l'instant, oula. Petit statu quo au niveau du farm, ça se vaut. Tentative de gank au top, du Maokai de Nono, ça ne passera pas. Ah, la Shyvana, j'ai l'impression qu'il met bien la pression. Ça donne quoi le farming au top, Nono? Tu peux me montrer vite ouais, fait. Donne-moi un instant. Je te le donne. Alors. Farming au top, 41 pour la Shyvana contre 30 pour le Malphite. Ouais, bah Shyvana over Malphite, hein, je pense, en early game. Sauf que Malphite, il doit bulle de l'armor et Shyvana fait quand même pas mal de dégâts magiques. L'Oriana qui est passé 6. Ah, les shockwaves de Shons. Très c'est là qu'on va voir. Et je remarque, Shons, que tu joues ta Oriana avec barrière, donc pas une Oriana à la coréenne, mais contre une Syndra. Je peux le burst de Syndra. Attention. Hola au bot, hola au bot, Shons. Shons, l'agressivité, la shockwave qui va toucher sur Balzac. Balzac qui va tomber et le kill va au support de l'équipe de Shons, le Brom. Donc, tandis que la vie a pris le mid là pour pallier à la rotation de Shons au bot.
Bon décal de choses là. Forcément, une Orianna, c'est plus mobile qu'une Syndra. Pas forcément. C'est juste que là, j'ai envie d'éviter tout de suite le match-up 1v1 avec Nanor. Dame. Pas confiant dans le 1v1, Sean? Pas trop. C'est jamais. Normalement, je le gagne pas. C'est vrai que c'est fort, Syndra. Hein. C'est très très fort sur la lane. Ah, attention, Nono qui a été vu là dans la jungle de Shones. Ah, pour un counter du blue buff, Shones est présent également. Alors c'est là qu'on va voir, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est bien là, Shones qui focus bien le Maokai, qui lui met quelques dégâts. Nono, on rentre dans la mêlée, le stun. Shones, l'ulti de la part de Nono qui met l'ignite également, le slow. Shones, flashy de Nono qui veut prendre le kill absolument. Les auto-attaques de Nono, le kill va être récupéré. Par le carry AD Spartiate, tandis qu'on a un décalage de Laura là avec son drôme. Navi qui peut peut-être récupérer le kill avec le E, le E derrière les creeps, le E derrière les creeps. Oh, ça passe, c'est bien joué Navi, c'est bien, c'est bien. Eh, ça joue serré, hein. 3-2 au niveau des kills c'est pour l'équipe de Shones. Qu'est-ce que t'as dit? Moins de kills qu'au LCS. Moins de kills qu'au LCS. Arrêtez s'il vous plaît, la LCS... On a le First Blood à 27 minutes de jeu max cette saison. C'était une game assez compliquée à commenter, je m'en souviens très bien. 2-1 pour Nono, 0-1-1 pour Shones. Pour l'instant, Asidra fait le travail, mais attention à la composition Press Air de Shones, qui pourrait faire très mal en teamfight. Ouais, ça rush le Graal impie hein, de part et d'autre. Ouais, ça permet de tenir la lane facilement. Oh, l'ulti du Brom qui touche le carry AD de Nono derrière l'arrivée de Warzyk the U. Les bons ganks hein, de la vie qui va mettre un ulti là. Et oh, tac, il va tomber. Oh voilà. Oui. Oh. Oh non. Oh. Oh non, derrière oh, le Lucian qui interdit le chase au Varus. Beaucoup trop risqué, sinon il serait tombé. Bulbul qui prend même le kill sur Balzac. Mais à côté de ça, Balzac prend le kill sur Bulbul. Bilbo le Hobbit, c'est le cousin de Bilbo. Et du coup, ça fait 5 kills à 3 pour la team de Shones. Qui s'en tire vraiment très bien. Et je vous rappelle que juste après donc, ce stream, il y a les conseils avancés pour Gullplat qui vous seront proposés par Lune et Shlaya. Donc le stream continue sur Ogaming. Et n'hésitez pas à leur donner vos retours hein, sur l'émission, etc., etc., etc. Et je vous rappelle que demain midi, petite finale de l'OGN avec SKT T1S contre Samsung Galaxy White. Et également ce jeudi et ce vendredi, les quarts de finale des playoffs qui vont être joués. Supod Crew Rocket, SK versus Millennium. Si, j'ai vu Bilboul que tu as eu un kill, ne t'inquiète pas. Ah, Nono qui a eu l'information là sur la vie. En fait, j'ai donné le bleu à la vie pour qu'elle revienne un peu plus dans la game, pour qu'elle soit bien. Sacrifice personnel de Shones. Hein. Oh, ouais, jolie mécanique de farm là du côté de Nono avec le haras en prime. Il est chaud, Nono. Hein. Il tient sa boule en laisse. Au lieu de la Orianna, de la Shyvana peut-être. Attention, Sean, le stun qui va toucher, Nono, un ulti sur Sean, Shockwave, le dive sur Sean, c'est la part de Setsuna, et Warzyk the U qui met la charge, le kill qui est récupéré, Shyvana ulti dans la mêlée également, le dégage de Malphite, ulti sur les deux joueurs, Nono et son solo laner, mais le bon stun de la part de Nono, il a plus de dégâts, Fierlin qui prend l'ignite, Fierlin qui n'a plus de dégâts, ils vont continuer, The Wolfred, et Nono qui a l'aggro de la tour, The Wolfred s'en sortira finalement, et ça fait 5 kills pour la team de Nono contre 6 pour la team de Sean. C'est serré, c'est extrêmement serré. Ah, le bleu il m'embête vraiment. Ah, ça permet vraiment à Nono de spam. Hein. Et la T1 qui tombe au mid. Il place tous ses stuns. En faveur de Nono, 4-1-0 pour l'instant. Et on evolve cette bot lane. Varus il tient bien la route. Et, par contre, combien 85 à 69 si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Ouais. Quelle est l'harmonie, Nono? Qu'est-ce que tu vas build après? Des bots. Des bots, c'est vrai que ça peut être pas mal, des bots. Des wards. Malheureusement, je peux rien acheter d'autre. C'est déjà pas mal. Là, t'as ton Graal impie d'Athènes. Tu vas pouvoir spam au mid.
Dommage que j'ai mis mon ignite bêtement. T'as 86 CS contre Sean's 80. Ça va, ça se tient. Ah, et Sean's qui entame la phase de farming intensive là au Vress. Alors, faut pas que je révèle trop de trucs, hein, bien entendu, parce que moi j'ai écran des deux joueurs. Sean's qui se fait scouter là par Nono. Nono le stun à l'aveuglette dans le buisson. Sean's l'arrivée. Oh là là, le combo. Ça va faire shockwave. Ça va faire shockwave. Ulti de Nono. Et Sean's la barrière. Vous l'avez vu, la barrière qui a pop là pour encaisser l'ultimate de la Syndra. 7 kills à 5 en faveur de la team Sean's. Allez, plays agressifs de Nono. Hein. T'es connu pour ça quand même. Je m'y tiens. Même au mid, Nono qui essaie de faire la différence de façon agressive. Il y a une tour qui est tombée bot. Elle a pas d'ulti, elle. No ulti vie. Ah, ma botlane va peut-être être dans la merde. Elle a pas d'ulti, elle a pas d'ulti. Tu cours, Stax. Oh, ouais, j'avoue, elle a pas d'ulti, la Morgana. Ouais, enfin, la vie, pardon. Et t'avais pas de mana et j'ai flash. Parce que je croyais que t'as l'ulti. Alors, il avait pas de mana. J'avais pas. Assez. Ah, t'avais pas de mana, Sean's pas assez pour faire ma shockwave. Je suis là, j'avais le mon fight sur l'écran de Nono. Ah, le bon farm Nono, hein. Nono qui va être un gros tueur. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de champions squishy en face. Du coup, pour Syndra, il n'y a pas, pas forcément. Oh, Stun qui va louper. Le slow, Nono, il n'y a pas eu de shockwave du côté de Sean's. On wave clear là, Nono qui met la pression jusqu'au milieu de la mid lane. C'est dangereux parce qu'il y a la présence de vie peut-être. Non, vie est au bot. Vie est au bot. Ah, Nono qui fait en sorte de deny pas mal de farm à Sean's. Hein, mais Sean's qui tient bien la route. Counter jungle du côté du Maokai. C'est pour le blue buff de Sean's et compagnie. C'est parti. Ah, j'ai raté. Il y a le Maokai. Ouh, la shockwave qui touche Sean's et deux joueurs. Non, c'est attention, bon, là. L'arrivée de Warzik the U et Firlin qui est là également. Je crois qu'il y a eu un TP. Il y a eu un TP, hein, c'est ça. De la part du Malphit. Nono sous pression. Le slow sur Firlin qui n'a plus de mana. Nono qui se retourne, un stun. Ouais, mais il a des points de vie. Hein. Il a des points de vie, ce Malphit. Il encaisse dur. 8 kills à 6 pour la titre de Sean's. Nono qui a son Graal. Double anneau de Doran. Du coup, il a pas mal de régène de mana. Il va lui en falloir là pour tenir face à l'éventuel push. Et non, la team de Sean décide de ne pas push finalement. Ah. Nono qui farm mid, continue à farm mid. Tandis que la team de Sean joue l'objectif et la Shyvana au top qui prend une tour, qui met la pression sur Firlin. Ah, la team de Sean qui vient de prendre le dragon, hein, qui va partir au blue buff là. Et au top, Firlin qui fait la différence, enfin qui se fait différencié plutôt par The Wolfred. Ça dépend de quelle langue tu le vois. Nono, les boots. Les boots de paix magique avec Home Guard. Et Sean's, toujours pas fini les boots. Mais bon, il y a des golds. Qu'est-ce que tu vas faire à Sean's? Finir tes boots ou pas? Build miroir de Nono? Ouais, je pense. Je suis obligé pour le déplacement. Et les boots. Et de la ward. Et on est reparti. Ah, pour l'instant, c'est serré entre les deux équipes. Hein. Je vous sens. C'est serré. Nous jouons notre vie. Ouais, un peu, j'ai l'impression. Hein. Oh, ah, c'est vrai que celui qui perd en 100% comestible sent années de honte. S'abattront sur lui. Nono, ça. Oh, Nono, le stun sur Laura. Ouais. Laura, le frostbite. Nono, le slow. Ouais, il va pas burst un brom, hein, surtout s'il a son shield. Et on farm du côté de Nono qui tente un maximum de décal. Hein. Ouais, ça met la pression. Oh non ! Aïe, 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 aïe. Shockwave, loupé de la part de Sean's. Et derrière, regardez, c'est l'engage de The Wolfred, peut-être. Ulti du Malphite, le fight est engagé là. Oh, il y a du monde au mid. Nono qui se fait cesser par la vie. Nono qui se fait souiller par la vie.
Ah, Vis est puissant hein, contre des midlaners statiques. Tandis que The Wolfred est dans la difficulté. La charge qui a passé. Et le Frostbite avec un kill qui est récupéré par le Brom. Avantage équipe Shones sur ce fight. 11 kills à 7 et le push de la mid lane. Nono, une réaction sur le team fight. Un team fight qui était mal engagé hein, et pourtant. Non, qui était bien engagé puisqu'on a dodge l'ulti Orianna. Mais la contre-attaque était beaucoup trop forte. C'était 4 contre 3 avec un bon focus de la vie sur moi. Donc il m'a complètement cancel mes dégâts. Et après, on n'a pas beaucoup de dégâts. Sivana et Maokai, c'est pas vraiment l'exemple en termes de DPS. Ouais. Vous avez du contrôle, vous avez une grosse front lane, mais c'est vrai que si toi tu te fais shutdown, ça pourrait être compliqué. Non, non. Oh, la grosse j'ai tenté la shockwave en max range. Ouais. Vraiment pour attraper Nono de loin, mais c'était mal effectué de ma part. Green un peu de la shockwave. Bon, vous blâmera pas les mecs, vous n'êtes pas des midlaners de métier, mais ça va déjà, vous en sortez pas mal, je trouve. Attention, Syndra est top. J'espère que Fiorlin va pouvoir s'en sortir. Dommage, Nono, c'était bien tenté. Ah, tu fais beaucoup de décales, n'empêche. Hein. Ça t'arrive de jouer mid dans ce OQ? Ouais, mais justement, je décale trop. J'ai pas le bon équilibre entre le farm et le décalage, tu vois. Ouais. Parfois j'ai quelques lacunes. Alors que moi j'ai pas le bon équilibre entre le farm et le décalage. Il décale plus et moi je farm plus. Et au final lui il fait la diff. Je l'ai raté. Oh. La vie, allez, attention. Allez. Ah Shyvana, tu peux mettre un ulti Shyvana. Allez. Le souffle du dragon qui va être imposé par Shyvana. Flash out de Shones. Oh. La shockwave. Non, l'animation n'ira pas au bout. La team de Nono prend le meilleur sur ce fight. Une fois n'est pas coutume comme on dit. Et c'est parti, la Syndra pour un push au mid. Nono et le reste de son équipe là qui sont chauds, qui vont peut-être aller pouvoir sécuriser cette T2. Je vais faire comme lui. Ah, Nono qui donne ses directives. Hein. Et Shones qui pianote pour tenter de mettre la pression sur Nono. Allez, c'est parti. Push au mid du côté de l'équipe de Nono. Vous avez beaucoup de contrôle en teamfight quand même au niveau. Il place le stun, la cage, la cage. Oh, derrière, Bilboul. Ulti de Fiorlin au milieu là, ça pourrait faire mal. Nono. Qui est très avancé. Il a bien tempo, Nono, il a bien tempo. Elle va mourir la Morgana. Ah, la Morgana est pas morte. Ah, le stun Nono qui a pris l'aggro de la tour. Allez, Brom qui tempo énormément. Regardez l'ulti de vie. Nono qui va tomber là, qui se fait totalement focus. Putain. Oh, la shockwave de la part de Shones. Au lieu d'en toucher 3, j'en évite 3. Ça m'énerve. Je vais trop tenter des plays de ouf. Et au final, je rate tout. Tu sais, genre bien quand les trois ils sont à l'extrême, je mets la boule au milieu et au final ça en touche aucun. Il sent le truc, mais en fait, non, finalement il te manque les petits centimètres qui font la différence. Oh la cage. Et Orianna, c'est un vrai personnage à fail potentiel. Exactement, surtout quand on joue comme ça. Et le push au mid de l'équipe de Shones, 13 kills à 9, la T2. Attention, Nono qui tente de poke là, de trouver une possibilité de stun. Pas de cache de la Morgana. Et le Frostbite sur Nono. Ah, les mecs au catch, qui gagne sinon entre vous deux? C'est une bonne question. Vous avez jamais essayé? Ah, attention, un engage peut-être, c'est Tsunade, il est sous ulti, il y va sur Bilboul, ulti de la part de la Syndra de Nono, pas de problème, annihilation. Il lui a rentré plusieurs jeux de boules de geisha à l'intérieur du corps, forcément ça fait imploser au bout d'un moment. Je crois que ce n'est pas le même plaisir quand même. Bah écoute, je sais pas, je me suis jamais fait ulti par une Syndra, j'ai jamais non plus encaissé des boules de geisha, je tiens à le préciser. Bon, ouais. Au là, cas où je sentais ton regard qui se tournait vers moi. J'ai peur qu'il fasse un H là. Ah, il s'en prend pas le Nashor. Attention, mais c'était en topside, forcément. What? Ouh, l'ulti! L'ulti, oh là là, le Maokai qui avait suivi. Ça tente de siège. On colle les rotations du côté de Nono. Hein. C'est parti. The Wolfred qui tank un peu. Attention, le Goin. Ulti du Bro. Okay, oh, il touche back, bien back. Là. Ulti okay, du Zeke sur la Shockwave qui va faire mal. Elle fait très mal. Oh, cette fois-ci, la composition Prest Air de Sean, j'ai l'impression, fait une énorme différence dans le fight. Il y a deux morts dans l'équipe de Nono. Aïe, aïe, aïe.
Aïe aïe aïe, ah Nono. Un ulti sur la vie. Nono dans la difficulté, Nono plus de flash. Ceci dit, est-ce que tu peux t'en tirer? Il y a le boost de mousse de la Orianna. Ah Nono, t'as pas de boule, ça c'est compliqué. Go in de Bilboul, le petit dash. Le boost. Oh le stun. Elle est pas mal de stun, hein. Mais il y a toujours Shones au chase. Shones qui va pas lâcher l'affaire. Shones qui veut récupérer le kill, les auto-attaques, le frostbite. Ah là là, il y a le Brom. Il y a le Brom, malgré la très belle. La grande escapade hein, de la part de Nono qui n'aboutira pas finalement. C'est ce qu'il a dit pour la team Shones. Ça joue dur sur la team fight. Hein. Ça joue sur la team fight. On n'avait pas l'ulti de map lead sur celle-là, mais ils ont vachement commit. Et cette fois-ci, j'ai passé une bonne Jaco qui en a touché 4. Et là, ça fait la diff. Là, ça fait la diff. Avec le dragon. Oh. Ah. Une déco. On a une déco. Warzig the U qui n'est plus là. Une déco de jungler. C'est embêtant pour le Nash. Oh. Ah, il a quand même. Pour le dragon. Très embêtant. L'âme du jungler. Ouais, ouais. On le burst avant de mourir. La possibilité. Enfin, le. Ce petit feeling pour sécuriser justement l'objectif. Hein. Ah ok, il est revenu. Reconnexion, c'est bon. Rambouinator, est-ce que tu peux mettre la game sur un grand écran là? Je veux bien, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est le même écran que sur le stream. D'accord. Parce que je veux bien le même écran que sur le stream pour voir plus en grand. Après, j'aime bien embêter les joueurs en passant derrière eux, c'est marrant. J'ai le droit de vous mettre des steaks en passant, comme dans les bus. Nono, je t'autorise sans problème. À Nono? Non, non, ça ira. J'ai l'autorisation. Ouais, mais l'autorisation de Sean, c'est pas trop. C'est l'autorisation du diable, là. Le bouton Wallé. Ça, c'est relou, par contre. Le bouton Wallé? Ouais. Ça, c'est relou. J'ai le droit à quelques phases de déconcentration. Sachant que mon arme ultime est le lancer de Poro. Attention, Nono qui a flanqué la shockwave de la part de Shones. Qui va tomber. Laura qui temporise superbement bien. Flash out du côté de Shones sur l'arrivée de l'ulti de la Shyvana. Nono qui va tomber. Oh, le bon boulot. Oh, le très bon boulot de la team de Shones là. C'est propre. C'est très très propre. Et la team Nono qui doit s'incliner sur le fight. 19 kills à 10 en faveur de la team Shones. Ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé, Nono? Je sais pas où ils nous ont vu. J'ai posé une ward. Il y avait une ward au niveau du trinket. Il y avait une ward, tu peux le regarder là, si tu veux, sur mon écran. Il y avait une ward tribouche parce qu'il y a eu une fight. Là. Ah ouais, et après, j'ai posé une ward ici et j'ai vu ta position. Phase de déconcentration. Les wards font la diff. Merci les copains. Les poros volants, mais de rien. Oh, les bons dégâts de l'Orianna. Shunt. Oh, slax. Stax plutôt, stax. Allez, go, c'est le moment de le défoncer, lui. Allez, Balzac. Allez, Varus, petit Varus. Slow. Allez, Varus. Ouh, la cage qui n'est pas loin de toucher. Shones est chaud. Hein. Il est mobile, là, avec sa Orianna. Oh, le poke. Et le Nashor qui tombe. Je sais pas pourquoi il a en pas faveur de la team Shones. Il l'avait? Ouais, il l'avait, ouais. Ah, il a peur de moi. Je comprends. C'est attention, ulti Bilboul. Alors que lui, il a pas peur de moi. Hein. J'aime pas ça. Ah ouais, effectivement, il a pas peur, hein, Bilboul. Mais peut-être à tort, d'ailleurs. La Shyvana est présente. Oh, la cover de Laura. Et Nono qui se fait implosé. Est-ce que tu as senti la gifle de camionneur qui t'a été un peu ouais, clairement. Qui a été posé par le brome? Ça m'étonne pas, venant de Laura. Pourtant j'ai un beau visage avec ma Syndra. Ouais, mais un peu déformé là, je crois. Et en plus je suis. Tu veux dans Niptech, t'as des spécialistes de la chirurgie esthétique. Oh, Shones. Shones qui tient tranquillement sa mid lane, hein. Solide sur l'Orianna. T'es sûr, je fais du 1v4 là. Ah. Jusqu'à ce que le Varus va t'ulti, il va se dire ah mais j'ai un ultimate qui fait beaucoup de qui peut cesser un mec. Varus il a pas ult finalement. Ah la Shyvana va avoir son ulti hein. Attention shockwave. Oh, la part de tu vois c'est quand ah ça m'énerve, je veux trop grid. Mais bon c'est un défaut. Au lieu d'en assurer genre une ou deux. Un défaut. Pour le beau c'est jeu. Vrai que souvent on voit que les gros joueurs d'Orianna ils hésitent pas parfois à faire juste un ulti pour une personne. Mmh. Hein. Alors qu'en fait, quand tu joues Orianna, tu te dis, allez, il faut que j'en touche minimum 3. Et en fait, non. Mais en fait, pas toujours, ouais. Et le Wallé, oui, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, bouton créé pour, à l'occasion pour les Nation Wars. Je vais vous communiquer ce doux son. Oh, c'est qui ça?
Ah oui, alors derrière, ils ont aussi toute une panoplie de boutons avec des bruits à la con, dont le bruit des Spartiates. Est-ce que tu l'as, Rambunator ? Vas-y. This is Sparta ! Parfait. Une réalisation au top, hein, comme vous pouvez le constater. Firlin, oh, il a l'air chaud pour mettre un ulti. Firlin. Ouais, il y a toujours Black Shield. Connaissant Nono, je sens qu'il va vouloir engage, mais je sais pas comment. Mais où est Nono ? Nono est là. Tout va bien. Nono. Ah, The Wolfred, il a envie également avec sa Shyvana. Mais ce serait peut-être trop violent comme go-in. Ah, les deux équipes qui ont des belles compos en teamfight. Hein. Ça va être intéressant. Ah. Le call du côté de Shones. Ça ping, ça ping, ça ping. Ah, on se retient de part et d'autre. Hein. Attention, le go-in. C'est parti, c'est sur la Shyvana. Shockwave, elle est pas mal cette Shockwave finalement. Shones qui est agressé par The Wolfred, tandis que Nono arrive à trouver un peu de backup. Là, Bilboul qui rentre énervé dans la mêlée avec son Lucian. Et The Wolfred qui va tomber à Shyvana qui se fait cut là. Par le Lucian qui avait coupé sa retraite. Et là, T2 qui tombe en faveur de l'équipe Shones. Ouais, on a vraiment une compo presser. Ah, il fallait se décider, hein, vous avez le lâcheur. Puis c'est vrai que moi, la vie, elle me fait très très mal. Hein. C'est un héros qui est très fort contre les héros statiques, comme on peut voir. Zonia ou pas, du coup, Nono ? Ben, moi, j'ai pas fait Zonia, je suis parti YOLO. Et là, je vais continuer à. À faire partir un YOLO staff. Ouais, il me faut un beau staff, hein. Il faut que j'arrive à faire des dégâts. Là, j'arrive pas à en faire, mais ça m'énerve. Je peux one-shot personne pour le moment. Ah, la bonne pression mine, mais ils vont pas réussir à sécuriser cette T1. Enfin, cette T1, cette tour d'inhibiteur, cette TI donc. Ou T3, ah, le frostbite du côté de Laura. Ah, Nono qui prend pas mal de dégâts, attention, Shones. Shones, Shockwave. Allez, il était revenu le cooldown. Il était revenu derrière ses engages de la part de la team Nono, doublé de la part de Shones. Shones toujours qui est bien positionné là, qui poste beaucoup d'auto-attaque sur la Shyvana, qui joue bien avec sa boule. Et Wolfred qui va tomber. Shones domine la partie là. Et c'est compliqué pour l'équipe de Nono, hein, qui commence à perdre pied. Ah messieurs, on sent un scénario de fin qui se dessine dans la game. Nono, quelques là, paroles, quelques mots. Bien, hein. Leur compo press R là va nous faire vraiment trop mal. On n'a pas de Banshee, on n'a rien qui puisse les tanker. Plus les Drake qu'ils ont pris. Là ça va être très compliqué. Et ça passe. Hein. Ça passe. Inhibiteur de sécurisé pour la team Shones. Ils s'arrêtent plus. Oh là, oh là, oh, ils ont envie d'aller au bout. Ils ont trop vu le LPL chinois. Ils vont aller jusqu'au bout, peut-être, la team Shones qui est chaude pour peut-être faire la décision finale. Shockwave de la part de Shones sur un joueur, tandis que Balzac, hein, bombarde derrière avec son Varus. Il bombarde, il bombarde, il bombarde. Shones qui pose des dégâts, attention. Nono, oh, Nono, 30 secondes avant le comeback, hein. Shones dans la mêlée, Shones qui fait de bons dégâts, flash out et le chase de Firlin. Ça va continuer. Je crois que il s'arrête pas. J'ai pris tous les ultis de vie sans un, sauf un. Je crois qu'elle t'en veut légèrement. Hein. Je crois aussi. Hein. Bon, le teamfight qui a rien apporté en termes de prise d'objectif, par contre c'était rigolo. Shones a dû le payer à mon avis pour qu'il campe la mid lane. Ah, possiblement, il y a dû y avoir collusion, communication collusive en tout cas. Il y a de la magouille dans l'air. C'est vrai que le cheese level 2, il était quand même puissant. Je m'y attendais vraiment pas. Non, en fils. Mais le cheese level 2, je m'y attendais pas. Parce que autant gank level 3, parce que bah, c'est Shones contre Nono, ok, mais. Mais niveau 2, c'était ballsy, hein, à la chinoise, justement. D'ailleurs, les mecs, si vous avez l'occasion de regarder parfois quelques games chinoises qu'on commente avec Irak. C'est pas mal, hein, genre les mecs sont over agressifs. Nice. Eux, les ganks niveau 2, ils connaissent. Hein. C'est leur fond de commerce, j'ai envie de dire même. Et un petit Zonia pour Shones. T'es quasiment full item. Hein. Ouais, je vais probablement faire un Liandry. Ça m'apporte des HP, ça me permet de poke avec le dégât en fonction des HP. Ah, Shones qui met en place ses troupes. 30 kills à 11 pour ton équipe. Ça va, est-ce que tu es serein pour la victoire finale? Ouais, plutôt serein, on a une très très bonne compo. Le support qui a été sur 23 kills. Beau taf, Laura. Solide. Il y a la team de Nono qui galère, un Nono qui arrive. T'arrives pas à tuer quelqu'un, un Nono.
ça le problème. C'est beaucoup trop tard. On m'a beaucoup shutdown là avec la vie. Et c'est vrai qu'avec Syndra, c'est un... si tu te fais shutdown. Ok, il a été récupéré. Shones va poursuivre. Shones. Shockwave, l'ulti du Brom, le slow sur le Maokai qui est appliqué par la fissure juste après, le stack du passif de Brom, ça va proc justement et les CC sur ce Maokai qui tank. Hein. C'est un Maokai, on commence à bien connaître le pick, ça encaisse énormément de dégâts et c'est peut-être le col de fin du côté de la team de Shones. On va essayer d'appuyer jusqu'au bout, il y a un super sbire, c'est parti. Sparta, Demacia, d'accord, Demacia, très bien, Shones pris à partie. Oh, Nono qui est tombé, hein. Pas facile. Et ça va être la game pour la team Shones qui gagne ce draft des génieurs, messieurs. Premier de l'histoire de 100% comestible. Voilà, voilà, ça fight bien là. Ouh, les dégâts de Shones, la boule qui traverse. Hein. Ça crée quelques creux, il me semble. Des semblants d'ulcères qui apparaissent du côté de la team de Nono quand la boule de Shones passe par l'estomac. Attention, on stack dans la mêlée, on tente de défendre, c'est pas facile. Il est dans la mêlée le Varus, mais voilà, l'inhibiteur, le Nexus est à nu. Ah, la Shockwave qui touchera pas, dommage. Dommage, 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 Shones. Tu finiras pas sur le petit kill qui fait du bien, l'arrivée de Nono dans la mêlée. Nono qui tente de nier à ses adversaires, le Nexus est libre. Ah, Nono prend pas mal de dégâts. Le slow de Fierlin, le kill récupéré par Shones. Ça suffira pas. Et vous vous reproduisez comme des lapins dans ton équipe, Nono. Hein. Ah, vous arrivez en permanence là. Bon, et ça va défendre. Ça va défendre. Mes aïeux. Il pourrait faire un comeback, Nash. Ah. Ah. On continue. Un message pour toi, Chips de Bilmoul, notre carrière de bronze. Chips, je t'apprendrai à Arrow NP. Eh bien, écoute, j'attends ça avec impatience, Bilmoul. Montre-moi tout ton talent. Ok. Tu piques Morello à la fin ? Oh non, je vais faire un... C'est pour avoir le 40% sans bleu. Mais attention, il y a un TP, regardez Fierlin. Oh Fierlin, la folie qui s'empare de l'équipe de Shones. Y a rien qui tente, Shones pour le trop. Le fameux trop. Le throw de trop. Le throw de trop. Un peu trop. La cage, la cage qui touche. Ah mais il tank. Il y a encore un ulti. Il tank un peu dur le Malphite. Ah tu as misé sur Varus hein. Ouais, c'est vrai. Tu peux comprendre qu'à toi-même, Nono. J'ai visé sur lui, en plus c'était mon seul platine de l'équipe. Mon seul platine de l'équipe me déçoit. C'est quand mais même il a peur triste. En fait. Non mais je peux comprendre, il a très très peur de Langale aussi. Mais il se rend pas compte que c'est toi qui focus. Ouais, c'est donc, ça. Du coup lui il est free DPS tout le temps en fait. C'est vrai que lui il est free DPS. Il est vraiment free DPS, personne ne le focus. Et mais puis, bon le truc c'est que vous êtes tellement tanky. Ouais maintenant c'est vraiment dur. Oh la vie, on va sécuriser la ward là, côté Team Shones. D'ailleurs Team Nono ça fait TN, du nom des fameuses chaussures. As-tu déjà porté des TN Nono ? Non. Non jamais ? J'ai porté des... Ah si, des TN du Maroc, si. Des TN du Maroc, les TN du Bled. Ça s'appelait les Toon. Vas-y go là. Moi je suis chaud. Allez, il faut tout mettre, c'est maintenant Team Nono. Ah, l'ulti de vie qui va arriver sur moi, oui. Allez, le classique Nono, allez, le stun n'est pas mauvais. Nono se repositionne. Regarde tout ce que je prends comme ulti. Ah, mais tu te fais tellement agresser, Nono, c'est un délire. Hein. T'es pas laissé seul, mais attends. Cassez-vous là. Ouais, non, la Team Shones là. Oh, y a aucun mort du côté de la Team Shones, un Bitbull dans la mêlée qui est en train de sécher la Shyvana. Shyvana qui va en prendre pour son grade, c'est un S en valeur de la Team S. C'est la game, je crois. Team S contre Team N. Team S s'impose. Et Shones qui va rusher l'inhibiteur et forcément le Nexus dans la foulée. Et c'est la victoire, Nono. Triste. Ouais, ton analyse de la situation. Je misais tout sur mon équipe. Mon plat a fait la diff, notamment. Et après, un gros camp du jungle. Ouais, le Vi qui était tout le temps au milieu. Ah, Mokai okay, était présent hein, sur les. Tous les ultis étaient aussi que sur moi. Et au final, ça fait la différence. Hein. Mokai, j'essaie le lead pour qu'on essaie de prendre la jungle. Parce que je crois que ta vie était que le. Qu'avec un bleu. Elle est pas de raid parce que Mokai a puni directement la vie. Donc c'est bien fait de sa part. Ouais, je l'ai ping. Après, mais on a pas capitalisé là-dessus. On n'a pas réussi à capitaliser. Bah, du coup c'est la partie. Game. Victoire dans le draft des génieurs de la team Shones. Et on voit les gros dégâts en fait. Check. Je sais pas. Allez, check de. L'amitié. Bien joué. Bien joué. Regarde les gros dégâts de la part d'équipe Nono.
qu'on prend un gros dégât de votre part. Ça manque un peu. D'où la shockwave, 50 de dégâts. Ça fait un peu de dégâts quand même. Ça fait mal, ça fait mal. Très bien, du coup, eh bien, on a largement dépassé l'horaire, hein, mais voilà, on voulait aller jusqu'au bout de l'émission, donc pas de blague. Du coup, juste après, donc, logiquement, Looney et Shlaya reprennent le stream pour des conseils Gold Platine. N'hésitez pas à rester, allez leur poser vos questions, à leur dire ce que vous pensez de leurs conseils avisés. Moi, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Merci beaucoup, les mecs, d'avoir participé en cette absence de Noix. C'était bien cool. Du coup, on se retrouve eh bien, demain, encore une fois, à midi, pour l'OGN. Et tout de suite après, conseil Gold Plat. Donc, le stream continue sur Gaming. À très vite. Salut à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Merci.